Bonsoir à toutes et bonsoir à tous qui nous rejoignez ce soir pour une nouvelle édition de notre podcast de DN Discussion consacré au mastering de JDR et de Donjons et Dragons en particulier. Je vais commencer par remercier Brest pour son abonnement. On t'aime Brest. Merci. Et commencer par souhaiter à tout le monde une bonne soirée. J'espère que tout le monde va bien, aussi bien mes trois hôtes de ce soir. Rectosis à ma droite, Trusugal à sa droite et Luxios Cobra à sa droite à lui. Donc joueurs sur la campagne du samedi. Que les personnes qui nous rejoignent actuellement dans le chat. Merci Maka Maka. Pour le sub, sachant que il y a encore 10 minutes, j'étais en train d'écrire sur toi. Pour samedi. Nice. Pourquoi le Quapo et le bug ? Eh bien parce que c'est une invasion. Il s'est pointé furtivement sur le stream de ce soir. Parce que justement, nous allons parler d'infiltration ce soir. Nous allons parler de surprise une fois que cette infiltration s'est bien passée et que nous avons donc le high ground, comme dirait Maître Obi-Wan, sur nos ennemis. Mais cela ne nous empêchera pas cependant, une fois que l'infiltration s'est bien déroulée, que la cible a été assassinée correctement et que la garde intervient, de parler de ce qui se passe quand on en vient à gérer des combats en très grand nombre. Vraiment laisser le crapaud sur le stream de DM Discussion. Dans jeu de rôle, il est là, je l'avais promis, ouais. Il est arrivé. C'est notre vie maintenant à tous. Alors. Pour ça qu'il faut que je me rase. Et du coup, combat en très grand nombre, où on parlera de notre expérience à tous, parce que alors Rectosis et moi-même, on a eu particulièrement l'occasion de mettre nos gros doigts dans ce pâté-là, qui est un pâté qui sent un petit peu mauvais, on va être honnête. Quand vous avez 10, 50 ou 100 ennemis à gérer sur un combat, quels sont les petits tuyaux, quelles sont les petites stratégies qu'on peut utiliser en tant que maître du jeu ou en tant qu'auteur de jeu de rôle pour garder des combats fluides, dynamiques et à minimum intéressants. Tu vois Zedbag ? Zedbag qui dit qu'on va pas l'affiche. Tu vois ses yeux ? Ils sont en train de te regarder. Tu sais qu'ils non, sont non, 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 les yeux du Quapo, tu ne les regardes pas. Et tu me remets mon menu. Attends, faut que je le retourne. Et ouais, je suis très bien installé, même si... Ah, il y a un deuxième truc, il y a un truc qui est très important. Donc, il y a déjà de la menace dans la voix de Rectosis. Hein. Mais il y a toujours de la menace dans la voix de Rectosis. Attends, il faut que j'enlève l'autre Trusugal, celui qui était caché derrière le crapaud. Moi, je suis une créature paisible jusqu'au moment où vous me mettez dans la même salle qu'un Eledril. Hein. C'est... Ouais, je suis bien, voilà. Bon, pour ce soir, pour nous accompagner, nous avons Cobra aka Seba sur la campagne du samedi. Je l'ai déjà dit, espèce de bonnet. Et. Nous avons aussi Trusugal, aka Valou, aka Hyacinthe le décédé, sur la campagne du samedi, qui nous accompagneront dans ces élugubrations tardives du mercredi soir, sur ces deux thèmes. Erectosis, aka celui qui a trop de noms. Déjà deux personnes suicidées, actuellement Ascaractor, le samedi. Voilà. Aka celui qui meurt trop souvent. Pour des raisons inexpliquées. Alors, ce soir, je serai... Je pense qu'à la fin, j'aurai le titre celui qui ne meurt jamais, du coup. Je pense que je pourrais l'obtenir. Celui qui meurt tout le temps, définitivement. Ouais. Alors, ce soir, en plus d'être votre hôte, c'est moi qui prendrai les notes pour les petits résumés qu'on publie sur le Discord pour les followers et les abonnés de tout ce qu'on dit lors des podcasts. Et donc, je serai peut-être un peu moins disponible que dernièrement à l'oral. Alors, je vous propose de commencer par la base... L'infiltration, on en avait déjà un peu parlé lors des émissions précédentes, donc je pense qu'on ira assez vite sur ce sujet-là, ça va surtout nous servir d'amuse-bouche pour ce soir. Le plus gros sujet étant alors, les tours de surprise et surtout les combats d'armée, on va dire. Alors, sachant que la surprise, on y a eu goût récemment samedi sur le dernier stream, je vous invite à le voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. On a eu des combats très très propres. Combat très propre et RP très propre, c'est une des meilleures sessions que vous m'ayez fait depuis longtemps, j'en suis très satisfait. Nice. Alors, l'infiltration dans le jeu de rôle de manière générale, parce que là je pense qu'on va plus parler du jeu de rôle en général et pas seulement de Donjons et Dragons là-dessus, parce que l'infiltration c'est quelque chose qui peut se pratiquer dans quasiment tous les systèmes, ça se pratique aussi bien en Donjons et Dragons qu'en Call of Cthulhu, Star Wars, etc.
L'infiltration, comment est-ce que vous la définiriez dans une partie de jeu de rôle? Vous savez que j'ai bien commencé par mes définitions. Okay. À partir de quand est-ce qu'on a une séance d'infiltration? Quels ingrédients il faut pour s'infiltrer quelque part? Alors, il faut de la discrétion. Il faut des jets de discrétion. Est-ce qu'il faut des jets de discrétion? Alors, on va y revenir plus tard. Il faut de la discrétion, mais est-ce qu'il faut des jets de discrétion? Oui, en vrai, Ça peut être aussi du. Par exemple, l'infiltration, ça peut aussi être de. Tu te fais passer pour quelqu'un, et t'es pas du tout camouflé, ouais. Mais t'es juste de prendre un autre visage ou t'essayes de trouver les bons mots pour ne pas te faire choper, tu vois. Pour moi, ça rentre aussi dans l'infiltration. Ouais. C'est pas toujours. Ouais. Tu fais un jet, tu rentres comme un fufu, et voilà. Et donc, il faut passer outre quelque chose par des moyens qui sont autres que le combat, en gros. Voilà. Je sais pas si Rectovis sera quelque chose de. Moi je vais laisser d'abord Cobra parler, moi je vais mettre les points sur les I à la fin, t'inquiète. Bien, je suis tout à fait d'accord, oui, pour moi c'est le fait de rentrer dans un lieu ou dans un groupe en cachant sa véritable identité afin d'agir d'une façon ou d'une autre, sous couvert de l'anonymat, je pense. Au moins en tout cas l'anonymat. Alors, je vais rajouter certaines notions. La première notion pour moi, c'est qu'en infiltration, effectivement, tu surmontes des obstacles qui sont liés principalement à la surveillance. Et que ce n'est pas seulement le fait de chercher le non-combat. Et d'éviter le combat. Parce qu'il y a plein de moyens d'éviter le combat. Il y a le dialogue, il y a la négociation, il y a la corruption. Il y a plein de moyens. L'infiltration, c'est vraiment d'essayer d'avoir une approche discrète dans laquelle tu n'es détecté par personne. Premièrement. Et pour moi, l'infiltration, c'est pas quelque chose que tu improvises. C'est quelque chose qui est planifié, parfois sur une certaine durée. C'est pour ça qu'on peut parler de séance d'infiltration. Parce que justement, c'est quelque chose pour laquelle il va falloir que tu mettes en place une série de plans et de plans supplémentaires de sécurité pour pouvoir garantir que ton infiltration se passe bien. À la fin, même si quelque chose se tourne mal, entre guillemets, tu n'es pas censé être cramé. Parce que sinon, ça veut dire que justement, tu es sorti de l'infiltration pour faire autre chose. Justement, dans le cadre de cette planification, je suis assez d'accord avec ça, la filtration, c'est vraiment quelque chose qui, typiquement, comme un assassinat, pour moi, dans le jeu de rôle, c'est vraiment les deux grandes choses qui vont se planifier le plus en amont. Qu'est-ce que vous pourriez voir pour planifier en fait cette séance d'infiltration et faire en sorte que ça se passe le mieux possible? Comme un casque, en fait comme n'importe quelle organisation criminelle, le but en général ça va être d'étudier l'endroit, d'étudier les personnes qui y vivent, essayer d'avoir les horaires peut-être des rondes, des remplacements des soldats, obtenir les plans du manoir ou du temple que vous voulez infiltrer. Qu'est-ce que vous pourriez rajouter là-dedans? Si c'est dans le cas où il va falloir négocier et mentir, probablement, préparer ce mensonge, justement, pour que les gens s'accordent, les membres du groupe qui s'infiltrent, s'accordent sur une version et pas se contredire et du coup, niquer tout simplement toute l'infiltration, aussi simplement que ça. Pourquoi pas des costumes aussi, qui peuvent être importants. Si on veut infiltrer je pense à un groupe de nobles par exemple, où il faut des tenues particulières, tu vas pas venir en paysan pour aller avec des nobles, et ça marche pas des masses, il faut préparer tout ça à l'avance. Se renseigner sur les uniformes éventuels qui vont être utilisés sur place. Ouais, ce que tu dis, ça me fait penser éventuellement se renseigner aussi sur les différents gardiens, que ce soit des gardes, des habitants, des serviteurs, pour essayer éventuellement d'en obtenir des choses, par exemple en échange de services, ou via chantage, par exemple. Se renseigner sur la dépendance du majordome au jeu et sa colossale dette de 400 platines qu'il a au casino local, par exemple, pour en obtenir la clé d'une porte arrière du manoir et rentrer par une zone qui n'est pas gardée en général à la fin de la journée. Ça peut faire partie de cette enquête-là. Alors, rajouter d'autres trucs. L'infiltration, pour moi, déjà, c'est un travail de solitaire. Lorsqu'une infiltration se passe avec des groupes, elle tombe toujours mal, ou presque. Pourquoi je dis que c'est un travail de solitaire? Parce qu'en fait, l'une des premières tâches que tu vas avoir lorsque tu cherches à faire une infiltration,
c'est réussir à mettre la bonne personne au bon emplacement. Chacun a des compétences qui sont différentes, que ce soit dans Cthulhu, que ce soit dans D&D, etc. Le fait d'avoir, par exemple, un Gwedin qui est particulièrement discret. Même si Askar, actuellement, est, entre guillemets, plus discret encore. Ça fait que ton... Hein ? La gueule de la discrétion. Mais mec... Mais chacun ses compétences. Mais par contre, Gwledin a d'autres capacités qui lui sont propres pour certains types d'infiltration. Par exemple, il ignore le terrain difficile. Il a une certaine aisance. Askar n'est pas cassé. Il a une certaine aisance dans différents milieux. Qui vont être des milieux de terrain difficile, dans de la forêt. Il a des compétences qui lui sont naturellement plus faciles d'accès. Derrière, on a les mages, qui les mages ont des capacités de renforcement, par exemple la capacité de rendre un allié invisible, ou la capacité de créer une distraction avec des énormes images, comme Valou, qui a récemment acquis ce sort-là. Il y a mille et un moyens, mais du coup, pour moi, l'infiltration, chacun doit avoir un job, et personne ne doit partager réellement le même job. Le moment où tu vas avoir du nombre, en fait, c'est le moment où tu vas commencer à avoir les dés en ta défaveur, parce que... Naturellement, les gens ne sont pas forcément assez spécialisés, c'est vraiment un travail de spécialiste, l'infiltration. Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, finalement, l'infiltration est de, comme, en fait, vraiment ces très grands plans qui se préparent sur la durée, comme un gros casse, un gros vol, l'assassinat d'un dignitaire ennemi, par exemple. C'est vraiment... peut-être les moments RP par excellence que tu vas avoir dans ta campagne, où ça va pas forcément être des moments... de discussion très très lourde avec les PNJ ou avec le groupe, mais c'est le moment où chaque personnage va vraiment se révéler dans ce qu'il sait faire de bien, apporter ses contacts et ses compétences à la table, et c'est vraiment là que, en fait, cette préparation va permettre à chaque membre du groupe de briller individuellement et au groupe de briller aussi en tant que groupe. Beaucoup plus que dans le cadre d'un combat qui sera toujours bien moins préparé, en fait, c'est vraiment chacun qui gère la merde un peu à son échelle, dans le combat souvent. Ou de même, les moments RP, en général, tu vas toujours avoir une ou deux personnes qui sont en train de discuter, mais c'est rare que, par exemple, il y ait les 6 personnes dans un groupe aussi grand que ce qu'on peut avoir sur Valkynia ou sur Strahd, qui sont vraiment en train de faire avancer la conversation avec un PNJ. Généralement, ça s'imite à un ou deux membres qui vont vraiment être productifs dans ces conversations-là. Et c'est vrai que ça, c'est intéressant parce que c'est cette infiltration, comme toutes les phases, je pense, vraiment préparées par l'ensemble du groupe pendant une longue période, dans le JDR, c'est vraiment... le moment, selon moi, où chacun peut briller, en fait, à son échelle. Et si chacun brille à son échelle, c'est là que le plan se réussit, en fait. Parce que là, je suis assez d'accord avec Recto, c'est que tu peux pas avoir deux personnes qui essaient de rentrer en même temps sans se faire repérer, parce que t'as juste deux fois plus de chances que de se faire griller, par exemple. Ou tu peux pas avoir quatre personnes qui font jouer leur contact pour obtenir les plans de la baraque, parce que pareil, ils vont se faire griller par la garde. Après, tu peux avoir cette réunion, ça, tout ce qui est planification, donc avant le casse en lui-même, avant l'infiltration, tu peux avoir cette notion de groupe. Genre, par exemple, imaginons, tu vas y aller à 4 mecs chez la mafia locale et avoir la discussion avec le mafieux, et tu y vas à 4 parce que chacun a son bout de pierre à apporter à l'édifice, sa compétence qui peut être utile, son levier de négociation. Ah ouais. Ça, je suis d'accord, mais... Pardon ? Au moment de l'infiltration, c'est comme dans Ocean 11 ou Ocean 12, c'est genre, t'as l'acrobate, t'as le cerveau du plan, t'as le muscle, t'as la distraction, t'as le charmeur. C'est comme dans les... Un bon casse, c'est comme un casse de film. Chacun a son job, son rôle, son timing. Ouais. Là, par contre, où je vais enrichir ce que tu viens de dire, je suis d'accord avec toi, tu peux en avoir 4 qui vont voir le parrain de la mafia à Waterdeep, par exemple, à Eau Profonde. Là où je trouve ça encore plus intéressant d'un point de vue de jeu de rôle, parce qu'en fait, tu développes les backstories de chaque joueur en même temps que tu prépares ton infiltration et que tu développes ta quête principale, du coup. C'est si t'as genre ton ancien criminel repenti qui fait jouer ses anciens contacts et qui va voir la mafia. Peut-être avec un de ses potes parce qu'il a pas confiance. Et du coup, le choix de la personne qui va emmener avec lui voir la mafia, ça va aussi permettre de développer des liens. T'as l'ancien archiviste qui va faire jouer sa contact à la bibliothèque locale pour obtenir les plans de la baraque. T'as l'ancien membre de la garde, de la City Watch par exemple de Waterdeep, qui va lui essayer d'obtenir par ses anciens collègues les horaires des rondes autour du manoir que tu veux cambrioler. Et chacun fait jouer un ou deux personnages de sa backstory à lui. Je trouve que c'est encore le niveau au-dessus, tu vois. Parce que là, c'est vraiment chacun qui dit « J'apporte à la table mes compétences, j'apporte aussi les compétences de mon réseau personnel que j'ai construit avant qu'on se rencontre en tant que groupe, et qui vont faire tous ensemble qu'on va réussir là tout de suite en tant que groupe. »
aussi. Et ça, je voulais dire comment ? Pardon, excuse-moi, parce que j'ai continué dans ma tirade. Bah, au final, ce que tu as dit, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que chaque membre du groupe va avoir un rôle assez particulier en soi. Donc, comme tu l'as dit, moi j'avais l'image d'un banquet où les membres du groupe sont déguisés en serveur ou alors en client ou ce genre ouais. de choses. Donc, à différents postes stratégiques. C'est ça. C'est là présent que... ou dans les coulisses. Ouais, bah c'est là que je trouve vraiment cette infiltration, en fait, elle va prendre son intérêt et que ça va pas juste être du coup, bah, en fait, 6 pélos qui arrivent, tu sais, avec des capuches, qui vont rouler stealth et qui, s'ils obtiennent un score de stealth assez, assez important, ressortent quelques minutes plus tard avec genre les documents compromettants, par exemple. C'est vraiment un peu le scénario de la James Bond où t'en as un qui est à l'intérieur depuis 3 jours en train de se faire passer pour un cuisinier. T'en as un autre qui s'est fait intégrer dans la garde il y a une semaine et qui a réussi en faisant jouer un ou deux contacts qu'il avait en politique à se faire nommer à cette soirée à la soirée privée par exemple pour garder la porte et aider ses potes à rentrer quand son collègue va aller faire la pause pipi. Et ça, je trouve que ça donne vraiment une richesse parce que chacun va apporter son RP, ses compétences, sa backstory, ses contacts et t'as moyen de développer plein de choses pour tous les personnages. En une séance, tout en faisant de la quête principale, en fait. Sans combat, sans jet de dés, sans rien. Sachant que, alors pourquoi justement on dit pas forcément de jet de dés Je te laisse faire. Bah déjà, il y a des compétences passives dans pas mal de trucs, il y a des moments où en fait, en tant que QMJ, tout simplement, tu considères qu'il y a des DC, et que... enfin donc des degrés de difficulté, donc des DD, ouais. En français. Et tu considères en fait que ces DD sont tellement faibles par rapport à ce qu'ils ont proposé qu'il n'y a pas de raison que tu leur fasses couler de dés. C'est ça. Pour moi, l'infiltration, notamment l'infiltration à grande échelle bien planifiée, c'est le moment où utiliser la compétence passive de discrétion d'un joueur parce que son allié lui a mis invisibilité, parce qu'il a tel item sur la gueule, parce que... il a fait gaffe à tel détail, il a la rotation des gardes, il a toutes les informations en amont. T'as pas besoin de lui faire rouler Jay. Il va y aller. Et au contraire, tu as juste à avoir à lui faire la cinématique de... Tu vois 4 gardes, les 4 gardes, eux par contre, ils te voient pas. À ce moment-là de la vie, t'es dans les ombres. Tu es devenu l'ombre. Et ton chemin continue. Jusqu'au coffre-fort de Bankroute. Où tu as réussi à récupérer la clé il y a une semaine parce que ton clerc avait accepté de soigner un mafieux dont la fille était lépreuse. et c'est toute cette histoire en fait qui se génère où au fur et à mesure de l'infiltration, ce que j'appelle les artistes, donc entre guillemets ces personnages qui vont faire l'infiltration, c'est vraiment ce phénomène souvent shonen où t'as le mec qui est en train de réussir la séquence d'action. Mais il l'a réussi parce qu'à chaque fois, t'es à la main de son pote sur le dos qui dit eh, « Écoute mec, il y a une semaine, je t'ai rendu ce service, on a trouvé le truc. Ouais. » Et c'est vraiment cette espèce de puzzle qui se résout à l'aide de tout le monde. Quoi. Ouais. Et ça prend un peu plus de temps. C'est un moment RP qui est très bien pour approfondir l'investissement des joueurs par leur personnalité passée. Ouais, de Crime. Ça prend un peu plus de temps à ce niveau-là, ça en plus de préparation. T'as qu'au lieu de faire ça en une séance, ça va en prendre deux, voire trois. Mais c'est vrai que je trouve ça vachement plus intéressant et plus enrichissant pour tout le monde à la fin. Que les mecs qui arrivent à la zob et roulent des jets de stealth, des jets de persuasion, des jets d'intimidation sur tout le monde jusqu'à la fin du module. Quoi. Mais pour rebondir sur ce que disait Recto aussi, parce que je voulais le laisser finir, on en parlait un petit peu justement quand on était en train de parler de la question des jets et du RP. À quel moment faire des jets, un podcast qu'on a vu il y a 3 mois, je crois, c'était un des premiers qu'on avait fait. Et qu'on disait justement, en prenant l'exemple de l'infiltration, que si on a un groupe qui prépare vraiment très bien un événement, oui, je te remercie, qui prépare vraiment très bien un événement, qu'il réfléchit vraiment beaucoup en amont, RP, fait jouer ses ressources, ses compétences, on allait avoir tendance à soit donner un gros avantage sur le jet, soit carrément considérer la réussite comme étant automatique. Parce que, en fait, typiquement, si vous faites là ce qu'on est en train de proposer pour les infiltrations ou de manière générale en RP, évitez de mettre des jets parce que c'est toujours très chiant si tu passes 1 heure, 2 heures, voire 3 heures en amont à aller voir jouer le mafieux dont le clerc a soigné la fille lépreuse et la nana de la bibliothèque avec qui t'as fait 3 mois de romance pour obtenir les plans un peu top secret du manoir. Et là, il y a ton pote qui doit rentrer dans la baraque en se filant par la fenêtre. Ok, roule-moi un jet, Nat 1.
Ok, tu traverses la fenêtre de la cuisine, t'arrives devant trois gardes, vous êtes tous arrêtés. Et c'est ultra chiant pour tout le monde. C'est agréable pour personne, et c'est pour ça que, perso, et je pense que Rectosis aussi un petit peu, tu confirmeras, je pense. Ah, moi, le Nat 1 sur la ouais. Prep, c'est l'infamie. C'est l'infamie, et pour ça que du coup, on préfère ne pas faire rouler, parce que si vous voulez pas que vos joueurs aient un Nat 1, le meilleur moyen, c'est de ne pas leur demander de lancer de dés. Les compétences passives, je suis 100% d'accord. Utiliser la stealth passive dans ces cas-là, ça marche très bien. Et demander au joueur de vérifier que sa furtivité passive n'est pas trop dans les choux. Ou sinon, moi j'utilise beaucoup la réussite automatique quand je considère qu'une action est vraiment bien préparée, bien écrite, intelligente. C'est gratuit. En tant que MJ, je pense qu'on peut difficilement demander plus à un joueur. Donc il n'y a pas vraiment besoin de faire rouler un dé pour que le joueur se rate et que tout le monde soit frustré à la fin de la table. Je sais pas ce qu'en pensent Trusu et Cobra de tout ce qu'on vient de dire avec Monsieur Rectosis. Bah c'est vrai que moi, en tant que maître du jeu, parfois je demande des jets parce que j'ai peur qu'ils se sentent abandonnés. Enfin, genre dans le sens où ils ont une fiche mais ils peuvent pas l'utiliser au final. En tout cas, enfin, je suis pas, j'ai l'impression que des fois faut que je demande des jets parce que sinon il y en a pas assez. Donc... Ça dépend du contexte. Genre, comme disais, en fait, si jamais c'est un truc fait à la ZUB ou t'as un jet de. Enfin, ou t'as pas de préparation, typiquement, là oui, on a besoin d'un jet. Parce que si tu dis juste tu es vu, là ça fait mal, tu vois. C'est genre, tu vas quelque part, t'as pas préparé, mais tu dis voilà, les gars te voient. T'as envie au moins d'avoir un petit truc pour se dire est-ce que j'avais une chance de pas être vu, tu vois. Alors que par contre, si jamais tu fais une grosse préparation qui prend une séance, même une demi-séance, peut-être deux séances, comme Eléthéry le disait, c'est bien de. De pas prendre le risque que tout foire, parce qu'en fait ce serait juste décourager les joueurs et leur montrer que leurs efforts finalement c'est du flan. Pour moi ça dépend du contexte, les deux sont intéressants. Ouais. Et pour les petites phases de filtration pas préparées et tout, je pense qu'un jet, voilà, tu peux le mettre quoi. À la limite, pourquoi pas, s'il y a un tout petit peu de prep, mettre avantage sur le jet. Tu vois. L'avantage ça fait 1 sur 400, mais on a déjà vu du double Nat 1. Oui, bien sûr, mais je veux dire, c'est un petit peu le joueur que sa préparation a été récompensée par quelque chose, tu vois. C'est ça. Ouais, c'est ça. Après, je vais dire un truc bête. C'est-à-dire qu'on parle du Nat 1, mais t'as le Nat 2 qui est pas mieux non plus. Hein. Oui, c'est ça. Sûr. Parce qu'en fait, t'as quand même une série d'extrêmes qui fait que si tu regardes ton joueur sincèrement dans les yeux et qu'il te regarde sincèrement dans les yeux, tu sais qu'il a foiré, mais t'avais envie qu'il réussisse et lui aussi. Moi, la raison vraiment principale pour laquelle je le fais beaucoup en passif, c'est parce qu'en fait, l'infiltration. La négociation réelle, réelle j'entends. Alors dans Valkynia, il y en a plus. On la foire systématiquement, mais il y en a plus. La négociation réelle est des trucs qui sont vraiment rares en fait, dans le JDR de manière globale. C'est rare à ta table que tu sois en face d'un mec puissant, pour lequel t'as prévu tous tes arguments, parce qu'ils sont bien faits, et qu'avec cette pile, en fait, tu puisses justement avoir cette discussion logique qui va graduellement mettre au coin, en fait, ton adversaire de dialogue, et le mec va être obligé de te dire « Ouais, effectivement, t'as raison. » Et ça devient plus un calcul, ça devient plus un jet. C'est juste qu'en fait, t'as préparé tellement bien tes arguments, t'as réparti, etc., que le mec en face est obligé de concéder que tu as raison. Ça veut pas dire qu'il va le mettre en place, parce que dans certains cas, c'est impossible. Mais ça veut dire au moins que là-dessus t'as pas besoin de faire de jet de persuasion parce qu'il y avait pas de but de faire de jet de persuasion à la base parce que tu es suffisamment solide et c'est déjà une récompense de RP en fait. Le fait de pouvoir supprimer des rôles parce que le joueur est tellement compétent à un instant T, c'est une récompense. C'est pas juste. Et d'ailleurs, normalement ton MJ va te le narrer en échange au lieu de te dire genre ouais, t'as raison. Bah du coup, c'est bon, il est convaincu. Il va jamais dire ça à ton MJ dans ces séquences là. Il va dire, il va prendre 2 secondes de recul, s'asseoir, prendre une respiration. Tu le vois mettre la main sur sa tête, comme un moment intense de réflexion, après tout ce que tu lui as dit. Au bout d'un moment, il commence à rire. Tu lui demandes d'abord s'il commence à se foutre de ta gueule, avant de prononcer les mots suivants. Effectivement, monsieur. Vous aviez raison. Cette affaire était une mauvaise affaire. On aurait dû faire ça différemment. Par contre, vous comprenez bien que, dans mes intérêts... Et là, tu sais déjà, avec cette narration du MJ, qu'à l'instant T, t'as pas eu besoin de faire de G, parce que tu l'as déjà réussi, ton jeu. Ça, c'est juste parce que on est à une table de jeu de rôle, et que ton jeu de rôle, donc ton RP, ton roleplay, a été valorisé suffisamment fort pour que tu n'aies pas besoin d'avoir ce G en chemin.
Alors, Dokren qui pose une question que je trouve intéressante dans le chat, qui dit que c'est en fait un peu dommageable parce que ça en vient à donner une lumière à certaines compétences que tu donneras pas à d'autres. C'est-à-dire que par exemple, si t'as quelqu'un qui s'exprime très bien en persuasion, enfin qui fait un discours très convaincant, tu lui feras parole et du coup il réussit automatiquement sa persuasion. Inversement, par exemple, un guerrier qui te décrit extrêmement bien son action ou son acrobatie, tu lui donneras pas son toucher automatique pour autant, quoi. Je suis curieux de savoir ce que tu réponds. Alors, ce que je réponds à ce genre de cas, c'est que c'est en combat, le combat pour moi est une situation différente, c'est une situation arithmétique, c'est un cadre différent. Parce que le problème, c'est que dans ce cas-là, le MJ, qui souvent a plus d'années de RP que vous, et de toute façon doit RP la moitié de l'univers, donc à peu près la moitié de la session, a tout l'entraînement et tous les outils de guerre pour vous défoncer. C'est pourquoi moi, je suis OK pour que, une fois que le hit soit passé, le joueur me décrive son acrobatie. Par contre, si de manière logique, imaginons ton personnage vient d'être remis à 7 PV d'un mot de soin de ton clair au milieu d'une séance de combat, et que tu dis, tu sais quoi, mon perso c'est un moine, et je vais pas m'en relever, je vais backflip sur le dos direct plutôt que de me relever en mode j'utilise mes bras, c'est pas la première fois qu'il est tombé au sol, c'est la 15ème fois en 3 séances, alors. Et dans ce même élan je vais prendre un saut. Et là, je vais dire que, ouais, effectivement, tu m'expliques avec une description très précise, etc. Je vais pas te demander de roll ton saut, je vais accepter ton saut. Je t'accepterai pas forcément le hit derrière, mais je t'accepte. Dokren précise qu'en fait, il parle principalement hors combat. Il dit, un joueur qui s'exprime bien va du coup te donner des réussites parce qu'il s'exprime bien, mais un elfe qui décrit bien son mouvement en dextérité, tu ne lui donneras jamais son roll. Je parle complètement hors combat. C'est-à-dire, je suis pas sûr de l'avoir compris ça. Alors, j'imagine, par exemple, dans le cas d'une infiltration où tu veux genre faire un peu de, je sais pas, de wall jump pour passer par la fenêtre du premier étage. Ouais. Est-ce que tu fais roll ou est-ce que c'est automatique? Dokren dira si j'ai bien compris ou pas son message. Alors, dans ce cas-là, j'ai compris aussi. D'accord. Donc si c'est ça, déjà, je veux dire que ça dépend du passif de personnage, c'est-à-dire que par exemple, Gouledin, il a l'habitude de grimper aux arbres. Askar, il a l'habitude de grimper nulle part. Gwledin a un avantage naturel d'histoire. En fonction de comment Gwledin me justifie, genre il me dit, bah tu sais quoi, tu m'as dit que j'étais sur un bâtiment avec d'assez grosses pierres, je vais m'en servir pour me bloquer et prendre de l'élan. Et j'ai déjà fait des mouvements similaires dans la forêt avant. Et ça effectivement, il y a un historique de RP avec un personnage. Parce que le but aussi, c'est que t'encourages le RP en permanence. Pas juste pour cette situation-là. Il dit, voilà, je fais ça. Je prends mon élan, je m'accroche, je saute. T'as un score de force de merde, mais une belle dextérité. Ok, très bien. Tu vas me rouler un G, et en fait, ouais. Dans ce cas-là, je vais effectivement le faire roll, parce que c'est pas une situation dans laquelle il a l'habitude, puisque là, c'est du terrain urbain. Mais par contre, je vais lui faire roll avec un DC relativement faible, en fonction de comment il me décrit et me crée une logique à son action. C'est vraiment la logique derrière qui est valorisée. Je vais ajouter à ça. Alors attends. Dokren qui dit, pour moi c'est une question hyper personnelle et très compliquée. Juste le fait de bien s'exprimer, d'avoir une bonne connaissance de l'univers, d'avoir une bonne mémoire ou bien savoir manipuler les gens te donne pas un avantage sur les rôles plus physiques que tu peux pas représenter par un backflip en présentiel. Alors justement pour répondre à ça et répondre aussi à ce que dit Recto, je suis assez d'accord. Après, deux choses. Je considère que, d'une part, ouais, ça va avantager clairement les compétences, on va dire, plus orales, plus intellectuelles par rapport aux compétences physiques, d'avoir ce système de, si t'es très bien entraîné, tu rolls avec avantage, mais si tu fais un très beau discours, bah, c'est une réussite automatique. Pourquoi je considère que c'est relativement logique à la rigueur, c'est que, en fait, le mur sur lequel tu veux faire ton wall jump, par exemple, il est complètement con. Il peut être mouillé, il peut avoir une fragilité, être mal fait à un endroit, ce qui fait que tu vas glisser, donc il représentera l'échec sur ton jet, même si t'es très bien entraîné en tant qu'athlète. Alors que, inversement, si tu produis un discours qui est très convaincant, faut vraiment que le gars qui est en face soit teubé pour qu'il ne soit pas convaincu. C'est-à-dire que si tu veux convaincre, par exemple, un diplomate de lancer des procédures de paix, si tu réussis à lui prouver de manière satisfaisante que son pays va se faire défoncer durant la guerre dans les 2 semaines à venir, sauf si le gars il est sous l'effet d'un sort, littéralement, il va pas te dire « J'en ai rien à battre de tes arguments, on va se faire défoncer et puis tant pis !» Non, il y a aucun diplomate qui réagira jamais comme ça, et de manière générale, aucun être humain
si tu lui fais un discours très très sérieux, très appuyé, avec des preuves bien construites et tout, ne t'enverra balader. Ou s'il t'envoie balader, c'est pas parce qu'il t'envoie balader sur la forme, mais c'est pas pour autant que le fond aura pas touché quelque part. Et c'est pour ça que je pense que en fait, dans tes interactions avec les PNJ, comme t'es toujours en train de parler d'intelligence à intelligence, à partir du moment où tu as une action qui est bien décrite, qui est bien argumentée, c'est difficile de faire un jet, t'as roulé deux, et bah le mec, tu viens de lui prouver que sa famille va se faire tuer, que son pays va être rasé et que tous les survivants seront en esclavage, et bah il te dit non, parce que t'as roulé deux. Je trouve que ça a pas de sens, beaucoup moins de sens que de dire bah tu cours sur le mur pour essayer de grimper à la fenêtre du premier étage, t'es un elfe, t'es un rôdeur, t'es formé depuis plus de 80 ans à faire ce genre d'exercice, bah il y a cet endroit là où le jardinier venait d'arroser les rhododendrons il y a une heure, tu glisses, tu te ramasses parce que t'as roulé deux. Ça me dérange beaucoup moins que d'avoir ton diplomate ou ton chef d'état qui dit « Eh ben toute ma population, elle va mourir et puis tant pis !» Le problème, et... par contre, que j'ai avec ça, juste rajouter, vas-y. J'ai un problème qui est différent. C'est pas par rapport entre en fait les compétences intellectuelles qui réussissent automatiquement et les compétences physiques qui vont avoir juste un avantage. C'est en fait le fossé que tu peux créer entre les joueurs qui sont à l'aise à l'oral, à l'aise pour argumenter. Personnellement, je sais que j'aime énormément, et pour ça qu'en fait Valkynia, c'est quasiment que des jeux intellectuels comme ça, pour ça que j'en mets aussi beaucoup dans Strahd, parce que je me plais énormément à ce genre de discussion avec mes joueurs. Mais il y a aussi toute une catégorie de joueurs qui est beaucoup moins à l'aise à l'oral, qui est beaucoup moins à l'aise pour argumenter, beaucoup moins théâtral, et pour qui, du coup, le G va être la principale manière, on va dire, de réussir pour leur personnage, c'est le check. Et c'est vrai que c'est... Mon problème avec ça, et en fait, j'ai pas vraiment de solution, c'est vraiment une question que je posais au chat et à vous trois aussi, c'est comment tu fais pour pas créer justement de fossé entre les joueurs très à l'aise, bah comme Rectosis ou moi-même, et qui vont avoir leur réussite auto à chaque fois parce qu'ils arrivent avec leur dossier en trois parties, trois sous-parties, et les joueurs qui ont aussi envie de jouer un personnage qui est fort à l'oral, qui est intellectuel, qui est stratagème, sans être eux-mêmes forcément bah, l'épitome de ce personnage-là. Est-ce que c'est pas dérangeant d'avoir ce fossé là? Vous pouvez me répondre que non, c'est pas dérangeant, et que dans ce cas là il y a le G toujours pour ces joueurs là. Vraie question que je pose. Je vais prendre sur deux couches d'abord avant de les laisser répondre. La première couche, c'est que si, il y a quand même des G pour moi qui sont physiques, qui sont en automatique, par exemple la discrétion. Pour moi, réussir à ne pas faire de bruit, à te déplacer quand même rapidement et discrètement, c'est une capacité physique, c'est une compétence physique. Il y a des... Je peux faire la blague de dire c'est ce que les ninjas ont essayé de maîtriser pendant 8 siècles. La méthode d'infiltration, le fait de gérer ton corps de manière tellement naturelle qu'au sein d'un groupe qui n'est pas ton milieu social, qui n'est pas ton éducation, etc., tu te fonds dans la masse sans même avoir à l'RP, c'est déjà très physique. Pour être ce que certains appelleront un papillon social et avoir côtoyé énormément de milieux sociaux différents, je ne me comporte pas de la même manière avec des groupes de gens différents, pour des raisons évidentes. Et ça, ça demande une grande maîtrise de soi, et du coup, c'est pour moi, ça devient physique, en fait. Avoir bien le dos droit, ou au contraire, le dos recourbé, la manière dont tu gères tes épaules, la manière dont tu gères ton menton lorsque tu t'adresses à quelqu'un, faut en avoir conscience et le réussir à l'impliquer. Pour les joueurs qui sont pas à l'aise socialement, enfin, en roleplay, tu vois, toujours moins à l'aise socialement et pas forcément en RP. Pour ces joueurs-là, en général, je suis désolé, je suis très discriminateur. J'adore les joueurs qui ont un RP excellent de base. Et ceux qui sont moins bons. Du coup, moi, je vais à chaque fois leur faciliter plus la tâche qu'à ceux auxquels j'attends toujours plus. Parce que j'attends généralement plus de mes joueurs. Donc, par exemple, le joueur qui a plus de mal à construire son argumentation, j'ai le plus tolérant avec lui au niveau des jets de persuasion, etc., qu'il doit faire, s'il doit les faire. Bien entendu, comme Edril, je suis aussi redoutable lorsqu'il s'agit d'avoir des conséquences. C'est arrivé par exemple mardi dernier où il y avait un pauvre majordome avec un tisonnier derrière une porte en train de se chier dessus parce qu'un gars a dit qu'il allait casser la porte. Devant la porte. Et qui a fermé toute porte au RP et à la discussion avec ces gens-là. Et du coup, c'est la manière dont je le fais, c'est que ceux qui par contre essayent de se dépatouiller et de s'améliorer en RP vont toujours avoir des scores plus favorables, même si au bout d'un moment je vais réajuster en disant ça y est, le mec il s'est amélioré, donc là où je mettais des DC10 avant, je vais pouvoir le passer à 15. Et du coup, à lui de me le repasser à 10 avec sa discussion.
Et en échange de quoi, je vais dire aussi, lorsque vous faites une erreur, vous portez tous l'erreur globale, comme on fait sur Valkynia, même si parfois ça me fait très mal. On porte tous les erreurs globales des RP qu'on a ratés, et des RP de discussion et de négociation qu'on a ratés. C'est pas grave, on est dans la merde, mais du coup, je suis avec mon Google Doc en disant les gars, il nous faut un plan à l'aide. Vous avez quoi comme idée? Qu'est-ce qu'on fait? Et je vais avoir des joueurs comme Truzu, comme Cobra, qui vont me donner des éléments, qui vont essayer d'aider à fomenter les plans pour contrecarrer les erreurs qu'on a faites, réussir à faire en sorte qu'on survive à cette campagne. Et c'est un truc. Et pour moi, tu spammes pas dans Crane, hein, c'est avec grand amour que je réponds à ces questions-là. Il est vrai. Ouais, pour moi, enfin, pareil, je... Surtout par exemple, si on compare les compétences de combat et les compétences type acrobatie, par exemple, pour l'athlétisme et les compétences sociales, moi je trouve de toute façon que le RP passe au-dessus des mécaniques, parce que c'est du jeu de rôle, sinon on jouerait à des jeux vidéo ou à des jeux de société. Et que c'est pour ça que la discussion, pour moi, l'oral vaut toujours plus qu'un jeu. Si jamais quelqu'un fait une belle tirade et que c'est envoie du pâté et que tout le monde est en mode ouais, ça c'était cool, tu vois. Tout le monde a aimé ça, tu vois. Bah là, normalement, pas besoin de mettre un G. Le mec en face, il est convaincu voilà. C'est pour moi, Réclis, ça a bien résumé le truc. Et il y a pas beaucoup d'autres. J'ai pas grand chose à ajouter. Après, ça, c'est aussi lié au fait que toi, comme moi, on joue sur des tables qui sont très roleplay. Et on n'a pas forcément eu l'occasion de jouer avec beaucoup de groupes qui sont en plus orientés mécanique, combat, exploration et moins discussion en fait avec les PNJ, avec l'environnement. Ouais, c'est ça. The Back il dit, mais du coup quelqu'un qui est doué socialement n'aura possiblement jamais un rôle, contrairement à ceux moins à l'aise qui vont devoir se fiauder et donc rater pour autre chose que des éléments de gameplay, ça me dérange un peu. C'est pertinent qu'on a dû être usé, vas-y si tu veux répondre. En fait le truc c'est que c'est déjà ça, c'est-à-dire que normalement, une discussion, c'est une discussion. Et au moins, avoir le G, ça donne une chance à ceux qui, de base, ne peuvent pas le faire, de le faire. Pour moi, c'est plus une bonne chose. C'est-à-dire que ceux qui, de toute façon, on joue à un jeu de discussion, on joue à un jeu de... Enfin, surtout si c'est une table RP, tu joues à un jeu où tu dois convaincre avec des arguments, c'est quasiment que de la rhétorique. Et le fait d'avoir des G, ça permet d'aider justement ceux qui ne peuvent pas le faire. Je vais dire un truc. J'allais aller encore plus loin. Pardon, fini. Vas-y. Vas-y, c'est tout. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Truzugal, pour le coup. Et j'ai même allé encore plus loin, c'est qu'en fait, en jeu de rôle, on est justement sur un jeu de rôle, un jeu qui se fait en vocal, ou à l'écrit, mais un jeu qui se fait foncièrement en utilisant la langue. La base, vraiment le cœur du jeu de rôle, c'est, contrairement aux jeux vidéo, le recours à la langue, qu'elle soit parlée ou qu'elle soit écrite, selon le médium que tu utilises. Et je vais aller encore plus loin que ça. Oui, je maintiens que je pense que c'est une bonne chose de ne pas te faire de G à ceux qui parlent bien et d'en donner pour donner une chance à ceux qui n'arrivent pas à faire de bons argumentaires. Et je vais même dire que c'est une chose qui est positive parce que je pense qu'en fait, c'est un moyen aussi de pousser ceux qui ont plus de mal à l'oral, plus de mal à argumenter, à aller chercher des nouvelles ressources, à développer ces compétences-là. Et si le jeu de rôle peut te permettre d'apprendre à argumenter, d'apprendre à mieux gérer une situation sociale, je pense que tout le monde est gagnant. Et je trouve que c'est même un niveau de jeu qui est encore au-dessus que de juste te demander de rouler des dés et tu échoues ou tu réussis. Et que c'est un mérite qui est même encore supérieur à celui du joueur qui fait un super argumentaire parce qu'il a une bonne éducation, une bonne culture et tout, et qu'il est habitué à parler et qui réussit automatiquement. Parce que je pense que c'est ce modèle qui va pousser le joueur qui a plus de mal à argumenter à justement se dire, mais lui, il réussit tout à chaque fois automatiquement, moi je roll, ça me fait chier. Tu sais quoi, pour la prochaine fois, je vais prendre 2 minutes et je vais essayer de produire un truc propre à l'oral pour convaincre le mec. Ouais, et je dirais aussi que si jamais vraiment t'as pas envie de faire ça et que tu te dis, ok, moi j'ai pas envie de faire ça, tu peux quand même avoir du fun en créant des personnages qui ne gravitent pas autour de ça. T'as beaucoup de moyens de contourner le problème si vraiment t'as pas envie de le faire. Le jeu de rôle, c'est aussi c'est un jeu où tu peux créer un personnage qui est muet, qui ne s'exprime à travers le monde qu'avec des gestes. Et ça passe aussi très bien. Si jamais tu le maîtrises, ça peut très bien passer. Et même si tu veux pas le contourner, que tu veux quand même faire un personnage qui est très très social. Après, j'ai toujours du mal avec ça parce que souvent les gens qui ont du mal en fait socialement, qui ont du mal à l'oral, qui ont du mal à produire de l'argumentaire et qui veulent faire des personnages à haut statut, des princes notamment, ou des de manière générale des diplomates, des gens qui sont amenés à parler beaucoup en dehors vraiment des phases de
compétence de dialogue, on va dire, où tu dois persuader quelqu'un, vraiment concrètement. De manière générale, le personnage, je trouve, a beaucoup de mal à être joué, parce que autant tu peux être relativement frêle, je crois que c'était Dokren qui disait ça, tu peux être un peu fluet, maigrelé, et jouer un gros barbare ultra stonks. Ça gêne pas trop, parce que tu peux être fluet et décrire la musculature de ton barbare, décrire l'impact des coups en combat. Perso, j'arrive assez facilement à me mettre dedans. Même si le gars qui est en face, il a littéralement ma complexion physique, et si tu le bouges un petit peu, il va tomber, quoi. Inversement, le joueur qui a énormément de mal à s'exprimer, qui n'est pas forcément énormément autonome, qui n'a pas vraiment de leadership, et qui arrive à la table en disant « moi je joue le prince, je veux être le chef du groupe, et je veux gérer les interactions sociales », en général c'est rapidement très awkward, parce que ça, au-delà vraiment des checks, des tests, dans ce cas-là tu vas dire à ce joueur « roule-moi intimidation, roule-moi persuasion, nat 20 », et tu réussis vraiment à pile trouver les arguments qui vont réussir à amener le gars dans ton camp et tout. Le reste du temps, le roleplay avec le groupe et le roleplay avec les PNJ, en dehors des questions de G, souvent n'est pas au rendez-vous. C'est ça. Mais typiquement, on peut prendre un exemple. Moi, j'avais fait justement parce que j'étais pas allé socialement et je voulais me faire un défi quand j'ai créé Hyacinthe, qui est donc un prince. Moi, je suis un mec qui était dans ma chambre. Je parle pas des gens. Hein. Je sais pas parler. J'ai beaucoup appris justement parce que je suis arrivé dans le truc. Dès qu'il y a eu la première discussion diplomatique, déjà, je m'attendais pas à me prendre le mur, on va dire, et les drills, la campagne RP vraiment politique. et en fait, ma première discussion, c'était le mur, merde. C'est moi. La discussion d'après, c'était de la merde. Et voilà. Et en vrai, sur le coup, c'est pas marrant. Mais au final, si tu fais la rétrospective, moi, je suis content du perso parce que j'ai appris des trucs. Ça m'a même fait lire des livres, pour vous dire. Et avant de donner la parole à Recto, qui je sais veut la prendre, je veux dire un truc trusu, c'est qu'inversement, en fait, à chaque séance, t'essaye un peu plus, depuis des mois et des mois, de faire un truc un peu plus construit, un peu plus loquace, un peu plus argumenté. Et là, les dernières séances, je trouve, en termes de RP, c'est des RP qui sont assez saisissants. La séance de samedi, on avait quand même Chagar qui disait dans le chat, j'ai failli pleurer, quoi. À la fin de la longue tirade de Valou sur... Non, mais Valou envoie du pâté, ouais. Valou envoie énormément de pâté. Et ça, c'est parce qu'en fait, ça fait un an que, justement, on est dans une campagne qui est très verbale, parfois verbeuse, et que Trusu, même si t'étais pas toujours hyper à l'aise à l'oral au début, tu t'es accroché. Et justement, vous avez pas laissé les Tianor ou les Askar prendre l'intégralité du crachoir avec mes PNJ, et que vous avez décidé quand même de leur arracher ce bâton de parole pour aussi avoir votre mot à dire. Et ça vous avez fait faire, je trouve, plein de progrès sur ces compétences sociales-là. Recto, du coup, et tu voulais là, dire... on en apprend plein de tous les jours. On a signé des accords de merde, maintenant on va vouloir s'en sortir avec ça. Parce que nos actions ont des conséquences. Mais c'est pas grave, de toute façon, c'est en faisant qu'on apprend. Et moi, je vais être plus brutal encore, parce qu'on me dit que c'est punitif, alors que normalement, on devrait punir que sur des éléments de gameplay. Et bah, en JDR, la parole, c'est du gameplay. Pour moi, c'est un élément de gameplay au moins aussi valorisé, voire plus valorisé, que les jets de rôle. Les jets de rôle, c'est pour vérifier si ton personnage arrive à le faire, indépendamment de la circonstance. Une discussion de base, si tu me dis je vais au marché, je vais pas te demander un jet d'intelligence pour savoir si tu connais la direction du marché. C'est normal. Si tu me dis je vais entreprendre telle action, c'est ton dialogue. C'est ton dialogue qui va confiner, du coup, l'environnement dans lequel ton personnage va évoluer. Et que le MJ va, du coup, t'amener dans cet environnement qu'il a préparé. Donc oui, la parole, c'est du gameplay. Sur tous les niveaux. Je suis d'accord avec ça. Et du coup, il y a le fait que derrière, effectivement, le but, c'est de récompenser ces joueurs qui galèrent à ce qu'ils s'améliorent. Parce que moi, je suis une table très RP, pas une table d'Aventure League, et que j'ai du temps. Et si tu veux, moi je suis même prêt à ce que mes joueurs adoptent un crabe géant, enfin, face à un retour arrière dans le marais avec tous les crabes géants libérés, plutôt que de se dire est-ce qu'on peut pas se faire accompagner pour y aller peinard, pour aller essayer de dompter un crabe qu'ils ont vu dépasser de l'eau pendant une demi-seconde en disant, eh les gars, ça c'est notre nouveau pet. Bah ouais, y'a pas de problème, tu peux essayer, c'est génial. Et voilà, et comme dit Trusu, ça lui a fait lire Le Prince de Machiavel. Bon, son perso est mort une séance trop tard, tu n'as pas assez lu Le Prince de Machiavel, je pense. Mais mine de rien, c'est aussi ça, c'est que ça fait partie de l'échange. Et où tous les joueurs autour de la table sont censés
partagée, entre guillemets. Moi, je suis dispo pour tous les joueurs qui veulent, même si je comprends que, en tant que rapport entre joueurs, c'est parfois compliqué d'aller voir un autre joueur et lui dire « Mec, tu peux pas m'aider sur ce truc-là » ou autre. Ça, je le comprends vraiment. Je pense que moi, j'ai des choses à apprendre de vous. J'arrive pas à avoir des émotions aussi intenses que ce que peut proposer Zubdag. Mais en même temps, j'en suis un peu au 58e perso mort, donc... peut-être ouais. Plus dur pour ça. Et j'ai plein de choses à apprendre de vous, de manière globale. Arrête de suicider, peut-être. J'allais dire... je veux dire, pour Tianor, c'était vraiment genre tout le monde commençait genre à le trouver indispensable et tout. Et d'ailleurs, il y a eu le moment, tu sais, où on était en mode « Putain, il est mort vraiment et tout. » Mais la mort était tellement abrupte. Personne n'a compris comment ça arrivait aussi vite, quoi. Genre, c'est... Ça m'a réussi, mais moi, j'ai gamble, ouais. Hein. Je l'ai dit clairement, ouais, j'ai gamble. Ouais. Et il n'y a eu personne pour me retenir. Il y a un matin, Tianor, il s'est levé, il a fait « Bon, je vais voir le médecin, j'ai demandé l'injection létale. Allez, bonne soirée. » C'est-à-dire que... Jean-Talit qui l'a fait « Ouais, oublie pas de prendre le pain en passant. » Que j'ai eu non, c'est moi qui ai eu la dernière interaction avec lui et je lui ai dit n'oublie pas ton petit déjeuner en rentrant. Ah oui, et genre, c'est tout. Et c'était le dernier truc que je lui ai dit. Mon perso connaissait à peine Tianor et il meurt. Yep. Et genre, ça nous a fait oublié. Alors pas mal dévier ces questions de l'infiltration, mais c'est vrai que derrière l'infiltration, il y a aussi beaucoup la question du. Une question de FIRP en fait que je trouve hyper intéressante. Derrière, sur la question du G en fait en jeu de rôle, qui est une question qui est toujours très très présente chez les MJ, qu'ils soient débutants ou expérimentés. Bah d'ailleurs, en parlant d'infiltration et de RP, la mort de mon personnage, c'était sur un G, enfin un G, on va dire, j'ai loupé 3 G d'athlétisme consécutif pour monter une colline. Mon perso, c'était un guerrier agilité qui s'était entraîné, on va dire, toute sa vie pour être au top physiquement, et il n'arrive pas à monter une colline qu'un zombard arrive à monter. Sur ce truc-là, bon, certes, j'ai vraiment pas eu de chance et j'aurais pu demander, par exemple, on a mal joué, on a pu demander de l'aide pour me tirer et tout. Mais ça pique quand même, tu vois. Bah oui, c'est ça. Je peux permettre, à chaque fois que t'as essayé en plus, il me semble que l'Edril a allégé ton décès parce que justement c'est t'avais possible. Déjà commencé ton ascension. Ouais, c'est ça, à chaque fois j'ai allégé le décès et en fait tu roulais de plus en plus bas à chaque fois et avant je t'en. Mais que quelqu'un aide cet homme, merde, il est handicapé, vous voyez pas. C'est notre prince, merde. Pour conclure sur la filtration, et inversement, bah justement, quelqu'un aurait dit j'aide Hyacinthe vraiment à monter, j'ai fait la courte échelle et moi je monte pas sur ce tour, j'aurais fait réussir auto quoi. Zeba qui dit, et après on passera à la surprise. Je suis d'accord que ça fait s'améliorer les personnages en difficulté, mais mon problème principal est que le bon joueur ne se ratera jamais. Oui, je ne vois pas en quoi c'est un problème. Moi non plus, c'est bien justement. C'est ça, oui, c'est vraiment pas. Pourquoi tu veux punir un joueur qui est bon? Ça peut te rassurer, Tianor a raté une ou deux fois. Hein. Tianor a raté Et après, je vais dire un truc, c'est que justement, au contraire, le fait que le bon joueur réussisse toujours, ça fera que donner envie aux joueurs qui ont plus de choses à apprendre, d'apprendre encore plus vite, pour justement rentrer dans cette catégorie où je ne peux plus rater mes jets, parce que j'ai maintenant une langue d'argent... Et je réussis tous mes chèques intellectuels. Quoi. Ah, mais ça, le barde d'éloquence, mais qu'est-ce que je t'aime! Je t'en parlais. Parce que par exemple, si un joueur est vachement au-dessus du MJ, on va dire, et il peut gagner toutes les conversations, ça poussera aussi le MJ à se dire ok, faut que je muscle mon jeu. Ouais, faut que je muscle mon jeu. J'essaie de développer, hein, c'est ça. Bah, parce que si un joueur, il ravage tout, le MJ aura pas forcément envie, enfin, il va développer des armes aussi pour se dire bon, voilà, ma campagne, elle s'est roulée dessus par mon joueur. Moi je vais progresser, tu vois. Et en fait, ça tire les gens vers le haut plutôt que de se dire le bon joueur, on va essayer de le faire rater. Bah, plutôt, on va tirer le bon joueur vers le bas en mode ah, t'as prévu un super argumentaire et j'ai réfléchi à aucun contre-argumentaire à ces éléments-là. Tu sais quoi, roule-moi un G. T'as fait 4. Le mec trouve un contre-argumentaire ultra bédasse. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est comme ça que on se met des coups de fusil à pompe, Elédril et moi, en discussion. Vous vous rendez pas compte, hein, mais... Mais si, c'est pas si... Mais bafons oh, putain, mais bafons. Mais pourquoi? Attends, oui. Il ralasse, comme d'habitude. Pourquoi? Baphobite qui a craqué. Bafons, on t'aime, hein, mais... Je sais bien que t'es en train d'essayer de me faire... De m'acheter Waterdeep pour que je fasse la campagne suivante, mais... Bon, Bafons, il va falloir que tu m'envoies une photo de toi. Je vais devoir passer chez le tatoueur et me la mettre sur la fesse gauche. Mais c'est pas obligatoire, ma foi, hein. C'est avec un grand amour, mais c'est pas obligatoire de faire ça. Je t'ai pas offert ce mois-ci, putain. Merci, mec, c'est hyper. Je veux voir que tu es majeur et que cette carte t'appartient.
J'ai plus pouvoir le tuer en Cthulhu, ça va être terrible, il va littéralement avoir de la plotte armor. Stop, arrête, arrêtez-le. Je vais devoir le battre. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on discutera ensemble de la prochaine campagne que je fais. On fait comme ça. Donc, reprenons, parce qu'on s'éloignait du sujet. Dans ce monde de brutes, Bafo, tu m'as perturbé, salopard. Ah putain, Bafo, il a troublé mon esprit aussi, je sais plus quoi en parler. J'ai eu quelques fois où j'ai réussi à avoir des dialogues où effectivement j'ai trouvé les arguments, même si c'était pas forcément les arguments qu'avaient prévu et les drills pour faire vibrer ces PNJ. Et il y a quelques fois où en fait, il m'a dit, écoute, ce perso-là, il dit nique ta mère de toute façon. J'ai compris que je pouvais essayer de négocier. Le perso allait me dire nique ta mère et que ça c'était du non négociable. Et tu peux mettre ces limites là, c'est assez brutal. Ah quoi? Non mais Bafo! Non, ça c'est Zebdag, monsieur. Ça c'est Zebdag. C'est Zebdag? Zebdag? Mais pourquoi? Ah, c'est un concours de Zizi, très bien. J'ai cherché mon portefeuille. D'accord. Je t'attends, Bafo. Mais merde! Non, mais c'est quoi ce réglage? Bref, du coup. Oh là là. J'essayais de dire. Mais on n'a pas le nombre de viewers pour ça, les gars. On vous aime, mais on n'a pas le nombre de viewers. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous et on vous aime. Merci, les gars. Mais donc. Merci, Norman d'Ocraine, du coup. Vous êtes des fous. Ah non, mais ça y est, ça lance pas ça. Ça recommence. Merde. Bref. On va pas finir. Du coup, je vais finir ma phrase un jour, je vous jure. Niveau 5 du train de life, c'est possible. Ouais, du coup, t'étais en train de dire que même si t'es très à l'aise à l'oral et Tianor était très à l'aise à l'oral, Il y a toujours des stops et de toute façon, les drills s'améliorent avec le temps sur les stops qu'il me met dans la gueule. Moi, je m'améliore pour essayer de stopper les drills. Mais une bataille rude. Le duel verbal avec ses aliches, pour le coup, t'avais une issue. Il y avait littéralement un mot trigger à prononcer, globalement. T'en as tenté un, c'était pas le bon. Et t'es mort en fait, et c'est ça aussi qui est intéressant. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec ce que disaient Cobra et Truzu là-dessus, c'est que ce soit de joueur à joueur, va y avoir de l'émulation, va aussi y avoir de l'émulation de joueur à MJ. Et c'est vrai que moi, sur ce plan, j'aime bien faire des persos qui bully un peu justement les PNJ pour voir ce qu'ils ont à donner, voir jusqu'où je peux aller avec, et voir si le MJ arrive à suivre. Bah, j'ai un exemple parfait avec Cobra, mon personnage, j'ai l'impression que c'est un gros bully pour Cobra. Ah les gars, j'ai bien que tu récupères une partie de l'argent, mais faut arrêter. Ah putain, par contre, les gars... Non, mais les hype, niveau 5. Niveau 5 terminé. Ouais, c'est moi qui suis terminé. Rectosis, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ah oui, d'accord, c'est un combat Bretagne-Normandie, en fait. Ok. Mais donc ouais, donc du coup, et, mais par contre, il y a un truc aussi, ça vraiment, je le recommande, hein, et là, cette fois-ci, je vais le dire publiquement, puisque je sais que la majorité des joueurs m'écoutent à ces heures-là, de la même manière que j'ai recommandé le prince de Machiavel à notre ami Truzugal, n'hésitez pas, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon adresse, vous avez mon Discord, si vous voulez qu'on s'entraide, moi, il n'y a pas de problème, moi, ça me fait kiffer. Parce que du coup, en fait, de toute façon, hein, moi je le dis généralement en fin de séance, putain cette séance elle était extraordinaire, vous avez tous très bien joué. Je l'ai dit la dernière fois. Par contre c'est vrai que du coup ça vous évite aussi le nombre de fois où je peux péter 4 heures de câble et boire 6 litres de bière dans la foulée. Ouais. Voilà, on allait y venir aussi. C'est ça. Pas oublier ça non plus. Oui. Voilà. Donc c'est... Non mais par exemple on peut faire... N'hésitez pas à peut-être organiser avec vos joueurs des petites séances de genre de théâtre. Tu prends une pièce de théâtre et tu la lis avec la meilleure intonation possible. Ou un truc comme ça, ou alors des petits cours de rhétorique avec des joueurs qui savent bien parler. Des petits cours de rhétorique, de démagogie... Démagogue, c'est important dans D&D. C'est ça. Et comme ça, dans la vie, après... Ah, ouais, pas que dans D&D, c'est ça qui est cool, c'est que dans la vie aussi, c'est plein de compétences qui sont utiles, pour que ce soit pour travailler avec des collègues... quasiment tous les métiers vont te demander en fait, des compétences que tu vas pouvoir nouer dans ce cadre-là, dans JDR, en fait. Comme ça que je le vends, moi. T'es pas obligé de savoir bien jouer, t'es pas obligé d'avoir des bonnes idées. Par exemple, moi j'ai connu deux gobelins qui ont tiré un drakeïde dans un wagon au milieu d'une mine. C'était pas forcément une bonne idée, mais c'était une drôle d'idée. Et les mecs ont bien exprimé l'idée, et du coup ça a marché.
Comment ça, c'était pas une bonne idée, c'était la meilleure des idées. C'était... Après, l'idée était en mode, parce que The Kazakh, c'était des génies. Mais bon, ça, c'est une histoire. Et comment... autrement, moi, je pense que les deux, c'est toujours mieux, tu vois. Il faut pouvoir les délivrer, tes idées. Je pense qu'une bonne idée sans la façon de l'exprimer, ça sert à rien. Parce que, en fait, si t'arrives pas à la véhiculer, elle va tomber à plat, tu vois. Par contre, tu peux juste bien parler sans avoir de bonne idée ou de fond. Et complètement manipuler les gens, ça passe beaucoup, ça existe beaucoup dans la vie, ça. Des fois, tu te dis merde, le mec il m'a eu, ou alors moi j'ai eu quelqu'un, alors qu'en fait il y avait c'était bidon derrière, tu vois. Voilà. Je pense que la forme est plus importante que le fond dans l'oral, on va dire ça, dans les dialogues. Ouais, la forme c'est très très important lorsque tu échanges en JDR, surtout lorsque tu apprends à respecter les postes. Je sais pas pourquoi bref, je vous aime les gars. On est en train de dévier un petit peu. Ouais, j'étais en train de me dire ça, on est loin, on est toujours dans le RP, mais pas trop l'infiltration. Je reviens. Bah, je vous propose de commencer à parler de surprise. Dans ce cas-là, je reviens dans un instant. Okay. Ouais, on va parler de la mécanique des surprises. Bah, du coup, je vais, en attendant que les drills reviennent, et je vais à tous vous proposer de. Tianor qui se suicide. Voilà. Non, c'est pas ça. On va parler d'un truc très mécanique. Et je vous propose, du coup, de me définir ce que c'est que la surprise dans D&D. Puisque là, c'est vraiment un sujet de D&D. Pour moi, c'est j'ai envie de définir par l'exemple. Genre, c'est quand, dans une discussion, tu fais un cahier avec ton pote et tu donnes une grosse droite au gars devant toi. Ça, c'est une ouais, je sais pas, en vrai. Pour moi, vraiment, enfin, mécaniquement, ce qui se retrouve le plus, ça va être, on va dire, une situation dans laquelle, on va dire, c'est ça, je surprends ton adversaire, tu vas l'attaquer, par exemple, ou essayer de le voler, ce genre de choses. Non, surtout l'attaque, c'est mécanique. Tu l'attaques alors qu'il ne s'en rend pas compte, et du coup, tu as le droit à un bonus. Souvent, ça va être un tour de surprise entier qui va te permettre d'attaquer sans que l'adversaire riposte. Voilà, c'est... Non, la surprise, c'est quand tu dis un truc et que tu vois Ellie qui fait les gros yeux en mode... Non, ça, non, s'il vous plaît. Définissez, là, je laisse ça tourner depuis trop longtemps. Définissez mécaniquement la surprise. Zubdag, Cobra. Non, pas Zubdag. Zubdag, il est dans le chat. Mais en plus, d'ailleurs, on a Adzelor encore qui craque. Tu veux vraiment que ce soit purement mécanique? Parce que là, je dis vraiment ce que c'était la surprise on va dire dans un combat, mais tu veux que ce soit purement mécanique? Qu'est-ce que c'est? Ouais, déjà, mécaniquement, comment ça fonctionne? Comment on crée la surprise? Merci énormément, Adzelor, je sais plus, les gars. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est-à-dire que c'est quand tu as un coup d'avance sur l'adversaire, quand tu vas le prendre par surprise, quand tu vas par exemple, l'attaquer avant qu'il ne s'en rende compte. Et mécaniquement, ça va t'octroyer un bonus au niveau de ce combat qui va souvent se manifester sous la forme d'un tour gratuit dans lequel l'adversaire n'aura pas de riposte. Voilà, ça c'est la vraie définition. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Bah, je sais pas, j'étais trop perturbé par le chat, je suis désolé. J'étais perturbé, merci encore les gens dans le chat. Voilà, merci encore ouais, Adzelor. La surprise, c'est un truc qui est hyper puissant dans D&D, que t'obtiens quasiment jamais, on va le dire tout de suite, parce que pour qu'il y ait tour de surprise, il faut que, basiquement, tout le monde dans le groupe ait la surprise. Donc ça arrive très rarement, mais le tour de surprise, c'est basiquement un tour entier où tu vas pouvoir jouer, donc t'as ton action entière, avec toutes tes attaques, tes spells, tout ce que tu veux, et l'ennemi ne peut pas réagir, puisqu'en fait c'est un tour qui est hors combat, c'est une sorte de tour zéro, avant le début du combat, où l'initiative d'ennemi ne rend pas en compte. Eh bien non! Comment ça, eh bien non? Eh bien non! Alors la surprise déjà n'est pas généralisée, nous on la joue de manière généralisée habituellement. Là, premièrement, la surprise, si vous reprenez les pages du PHB et du DMG qui mentionnent la surprise, la surprise n'est pas généralisée. La surprise, tout le monde rôle par exemple description, que vous comparez à la perception passive de vos adversaires. Si un joueur a une perception passive supérieure à la discrétion que vous avez rôlée, ce qui va se passer, c'est que ce joueur-là ne va pas être pris dans la surprise. Pour autant, l'autre va être pris dans la surprise. Et donc là, ça va vraiment être du cas par rapport à la discrétion passive générale. Et la surprise, en théorie, se décompose entre des gens qui sont surpris et des gens qui ne sont pas surpris. Mmh. Une personne non surprise, pendant le premier tour, puisque c'est déjà considéré comme le premier tour de combat, la surprise, va pouvoir agir. Je vous invite d'ailleurs à regarder aussi la vidéo, si vous êtes un peu anglophone, qu'a fait Zibachou récemment sur le domaine. Va pouvoir justement agir. Les personnes qui, elles, ont raté un tour de surprise n'ont pas leur réaction, ni leur action. Et donc vont du coup se prendre l'intégralité des dégâts qui vont leur être infligés s'il y a des dégâts à leur infliger. Sachant que dans le cas en plus où vous êtes invisible ou dans des situations similaires, enfin vous êtes caché, vous avez en plus l'avantage sur la première attaque que vous faites. Donc la surprise, basiquement, c'est un premier tour pendant lequel certains individus sont sanctionnés de leur inattention en ne pouvant pas jouer pendant ce tour-ci.
et du coup ne pourront pas jouer du premier tour. Ça correspond plus ou moins à une paralysie pendant le premier tour sans l'effet de critique. Ça, c'est comment fonctionne la surprise dans D&D. Du coup, après, on passe, une fois que le tour de surprise est passé, donc qui est le round 1, on passe directement au round 2. Si vous jouez la surprise. Ça, c'est le fonctionnement actuel. Alors, on va adresser les Truzugal Simé. Très bien. Non, mais tout va bien ce soir, les gars. Alors, je sais bien, pour ceux qui sont actionnaires de cette chaîne, que nous allons pouvoir récupérer une partie des revenus. et je vous aime beaucoup. Non, parce qu'on va le dire en toute honnêteté. Mais voilà, ça fait beaucoup, là. Mais du coup, il va falloir qu'on prépare des émoticônes et beaucoup d'amour pour tous ceux qui nous regardent. Du coup... Alors, ça, c'est comme ça que ça se passe dans D&D de base. Maintenant, je vais laisser Elendil mentionner quelques problèmes liés au fonctionnement de base de la surprise. C'est complètement cassé. Parce que moi, je suis perturbé, donc vous me laissez 2 minutes. Bah, non, mais moi aussi, je suis perturbé, donc voilà, moi, j'ai fait le tour, c'est de la merde. Non, bah, en fait, blague à part. Samedi dernier, on a eu l'occasion d'utiliser, parce que je suis toujours en train de leur dire qu'ils jouent pas assez stratégique. Ouais. Et qu'ils devraient souvent avoir une approche un peu moins bourrine, un peu plus subtile des combats, plus préparée. Et du coup, samedi, ça a été le cas. Alors samedi, on a fait 3 combats durant la séance. En mais plus sur, de les tout le RP, semaines, ouais. Sur les 3 dernières semaines, en niveau strat, on n'a jamais été aussi bon. Ouais. C'est juste la suite et l'exécution qui a chié, mais bon. Et si je peux faire terminer, du coup, Rectosis. Et du coup, bah, en fait, 3 combats durant la séance et énormément de RP à côté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur les 3 combats, il y en a 2 qui ont été pliés en l'espace de quelques instants. Merci, Baphobite, pour le chien. Et garde ton sang-froid, mec, je fais ce que je peux. Parce que cette surprise, en fait, basiquement, c'est un tour sur lequel l'ennemi ne peut pas réagir. Et pour peu que derrière tu roules pas trop mal ton initiative et que tu joues en plus au début du combat et que l'ennemi joue à la fin du tour normalement, en fait, il y a tout le monde qui va attaquer. Fin du tour de surprise, début du tour normal, entre guillemets. Et là, il y a à nouveau tout le monde qui va attaquer par ordre de l'initiative avant que l'ennemi ait le temps de faire quoi que ce soit. Et en général, surtout avec 6 joueurs. Quand t'as 6 joueurs qui attaquent, plus encore, début du tour d'après, nouveau 6 joueurs qui attaquent, en général, il n'y a aucun ennemi qui arrive à son tour. Et c'est comme ça qu'il y a les 2 trolls sur le premier combat qui sont morts avant le temps d'avoir attaqué une seule fois. Et c'est comme ça que le Leshen sur le second combat est également mort avant d'avoir le temps d'utiliser sa première action légendaire, puisqu'il est littéralement mort avant la fin du premier tour de la première personne après la surprise. Et ça, c'est beau. Il n'y a plus de combat, en fait. Basiquement, quand t'as la surprise, sauf si c'est vraiment un très 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 grand nombre d'ennemis, ou un très très gros boss qui a énormément de points de vie de manière générale. Non, non, c'est nécessaire d'avoir énormément de points de vie, ou d'AC, et vraiment... Même d'AC, hein. Le combat, en fait, si t'as la surprise, le combat, il est gagné. C'est même une créature, en fait, qui a des actions légendaires, logiquement, est prise par surprise, donc t'as pas de moyen de réagir, donc normalement, tu peux pas utiliser les actions légendaires normalement sur tour de surprise non plus, parce que la créature est vraiment complètement prise au dépourvu. Et ce qui fait que même donc des créatures qui ont de la multi-attaque, des actions légendaires, de la régénération au début de leur tour, ne pourront pas en bénéficier parce qu'on va tout bonnement zober. Si. Actions légendaires et compétences passives, alors ne sont pas inclus. Ce sont justement c'est comme les actions de l'air. Actions légendaires, c'est un gros doute, hein. Action légendaire, tu peux regarder, parce qu'en fait, ça ne concerne que les actions de légendaire ne sont pas précisées, puisque les actions légendaires sont la propriété des boss qui cassent toutes les règles du jeu. Donc les actions légendaires, ils ont droit, leurs bénéfices passifs, donc par exemple un passif de régénération ou de résistance à la magie s'appliquera toujours, et les actions de l'antre pourront fonctionner, sachant que les actions d'antre, par exemple si vous prenez des dragons anciens, en plus sont une initiative restreinte et systématiquement fonctionnelle. Toutes ces actions-là sont toujours valables. Les actions standards de votre boss et son déplacement, parce que je pense que c'est surtout ça qui fait le plus de mal. Alors, Rectosis, je cite le PHB. If surprised, it can't use legendary action that it after its first turn. Ah ! Bien joué, merci. Donc une autre preuve que Rectosis dit de la merde et que j'ai raison. Écoutez, vous m'avez attrapé. Cependant, je t'ai eu sur le passif de régénération. Alors, pour le coup, est-ce que ça aussi t'es sûr? Parce que, même chose, je vais demander les sources en bon historien. Parce que techniquement, dans la surprise, la créature a même pas vraiment son tour. Donc, est-ce que t'appliques les bonus comme la régène, qui normalement s'applique au début du tour de la créature? Dans la mesure où la créature a pas d'action bonus, pas de déplacement, pas de réaction, est-ce que tu peux considérer qu'elle a un tour durant la phase de surprise? Moi, j'ai considéré que non, samedi. Je pense que c'est une question intéressante.
Si, normalement, en fait, ça, comme ça reste entre guillemets un premier round de combat. Ouais. Putain, les gars, je vous aime. Comme ça reste un premier tour de combat, le premier tour de combat, c'est au début de son tour, même si le tour il le passe, c'est un premier tour qu'il a. T'es pas au tour 0. Le tour 0 n'existe pas dans D&D. Mm. Donc, par exemple, si je prends le loup-garou, qui s'appelle vraiment loup-garou celui-là, qui est CR13. Qui récupère des HP de régénération au début de son tour, il récupère ses HP de régénération au début de son tour, même s'il ne le passe, elle ne rien faire. Et être surpris. Être surpris, c'est plus un statut, enfin c'est une condition en fait, c'est pas juste un événement qui casse complètement les règles. Bah après, tu vois, typiquement, le fait que t'aies pas les actions légendaires, pour moi, ça me fait placer la surprise dans les événements qui cassent les règles en fait de combat, normal. Parce que couper les actions légendaires, et c'est pour ça par exemple, les Shun, vous lui avez roulé dessus sans prendre de dommages, parce que justement, j'ai pas joué les actions légendaires, et pour le coup, j'ai une bonne intuition, parce que les règles confirment qu'il ne faut pas les jouer. La paralysie, par exemple, t'empêche d'utiliser les actions légendaires aussi, c'est aussi une condition. Complètement. Donc pour c'est vrai, être surpris, c'est vraiment une condition à proprement parler, qui du coup fait que c'est pendant le premier tour. Par exemple, si je prends une hydre, bah, t'as fait tes 50 de dégâts sur l'hydre, bah, t'as coupé la tête, il y a deux têtes qui poussent. Et ça, c'est automatique. C'est pas comme les antibiotiques, c'est automatique. Donc voilà. Donc, je crois que c'est l'inverse des antibiotiques, non ? Bah oui, les antibiotiques, c'est pas automatique. Alors que du coup, c'est pas comme les, c'est pas comme les antibiotiques, c'est automatique. Voilà. Ouais, ok, ouais, non, c'est bon, je valide. T'es considéré comme étant en effet tour 1 de combat. Et donc, t'as quand même ton premier tour de combat, c'est juste que tu ne peux rien faire pendant ce premier tour de combat. C'est ça. Alors, change rien sur le Leshen, parce que le Leshen, c'est pas une passive, il faut qu'il puisse hit pour avoir sa régène, mais c'est bon à savoir. Voilà. Et le deuxième facteur de la surprise, c'est que là où pour moi ça fait vraiment mal, c'est que du coup, ça empêche le déplacement de la cible. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tes alliés peuvent se mettre très vite au corps à corps, et du coup, faire que la quantité d'attaques d'opportunité, sans compter les autres passifs, type lame tenante, type sentinelle, type trancheur, et toute autre compétence autour, vont faire que la créature, de toute façon, va pas pouvoir se dépêtrer ou cibler et agir comme elle aurait voulu agir. Tu as aussi ce phénomène-là, il va aussi impacter sur quelque chose d'autre, c'est que comme le tour de surprise, c'est pour ça que le tour de surprise, normalement, se passe dans l'ordre, et c'est ce que j'ai essayé de faire la dernière fois, normalement, le tour de surprise se passe dans l'ordre d'action. C'est pas juste des actions libres interchangeables, parce que c'est justement un premier round. Donc ça veut dire qu'il y a des moments où si tu veux vraiment bénéficier de ton tour de surprise, il va falloir préparer des actions, ou alors que les gens aient roulé suffisamment haut sur leur initiative pour pouvoir en profiter. Donc par exemple, si on prend le Tailin qui hâte Kirelia en amont, dans le tour de surprise, bah dans la réalité, ça n'aurait pas dû se passer comme ça, puisque Kirelia était plus haut au niveau d'initiative, donc elle aurait dû tirer deux coups, puis après être hâtée. Tailin avait hold, ça hâte. Ah, très bien. Mais dans ce cas-là, il aurait dû jouer le premier tour alors qu'il ne l'a pas fait. Bah, en fait, il a dit qu'en fait, il holdait hâte avant que vous lanciez le combat. Dans ce cas-là, il aurait dû jouer le premier tour. Dans ce cas-là, pendant le round 1 de combat, vu qu'il holdait sa hâte, là, il aurait viré sa hâte et il aurait eu son premier tour d'action, ce qu'il n'a pas eu. Oui, parce que tu considères que l'action hold a eu lieu avant. Ouais, non, faire. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de prendre en compte que c'est effectivement un tour 1, parce que ça change ces choses-là et ces événements-là. Et ça change aussi dans le microcosme des ennemis, parce que si tu as des ennemis qui ont des perceptions passives différentes, tu vas avoir du coup le fait que certains ennemis vont pouvoir commencer à se déplacer ou agir, alors, plutôt que d'autres. Je rappelle, du coup, il va falloir cibler ceux qui sont... Qu'en surprise, la surprise marche pas de camp à camp, elle marche vraiment de créature à créature. C'est-à-dire qu'une créature peut être surprise sans que ses alliés le soient. De même qu'un héros peut ne pas être surpris, par exemple, parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'il ne peut pas être surpris, sans empêcher ses alliés, les autres PJ, d'être surpris. Ça, pour le coup, je cite le bouquin là-dessus, c'est-à-dire que la surprise, elle est vraiment indépendante. C'est genre, tu surprends tout le camp de bandits, c'est tu surprends 1, 2, 3 bandits, tu surprends peut-être les 10, mais c'est vraiment chaque bandit qui a sa chance d'être assez perceptif pour ne pas se faire surprendre par le groupe. Sachant que, comme c'est d'individu à individu, ça veut dire que quand tu prépares le tour de surprise, quand tu fais ton jet de discrétion, parce que généralement c'est réglé comme ça, si quelqu'un foire ton jet de discrétion dans le tas, la personne qui foire le jet de discrétion va être la seule qui ne va pas bénéficier du tour de surprise par rapport à ses alliés. Même si l'action est commune, les ennemis ne seront pas surpris de cette personne, donc ils pourront prendre action, dans ce cas-là, contre cette personne.
Ce qui veut dire encore une fois que du coup, le tour de surprise est annulé. Pas simple bonne raison qu'ils s'attendent à une menace, pas forcément venant de vous. Donc vous considérez comme caché, donc vous avez avantage sur vos attaques. Avantage, exactement. Mais vous n'avez pas non plus le fait qu'ils soient absolument passifs pendant leur premier tour. C'est ça. Alors, ce dont on voulait parler sur ce mini-chapitre-là sur la surprise ce soir, c'est d'à quel point, bah, du coup, comme vous le voyez, ça peut être facilement cassé, puisque pas d'action légendaire, pas de déplacement, replacement. Donc ça veut dire que si tu te fais prendre en tenaille par des mecs qui sortent de derrière les buissons, bah, t'as de bonnes chances de passer ton premier tour et ton deuxième tour en tenaille, avant d'avoir ne serait-ce qu'une chance de désengager, ou de bouger de là. Et du coup, ça peut rapidement casser un combat, sauf s'il y a beaucoup beaucoup de cibles, ou si c'est vraiment un boss très 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 résistant et très très fort. Et même dans ce cas-là, ce boss, il n'aura pas ses actions légendaires, donc ça va être un tour 1 de combat qui va être relativement juste du dommage gratuit que l'ennemi va subir, sans pouvoir le rendre d'aucune manière que ce soit, sauf s'il a des capacités passives qui endommagent ses ennemis, par exemple. Sachant qu'en surprise, vous avez généralement la majorité de vos munitions. C'est-à-dire que si je prends un combattant, vous allez avoir votre second souffle. Ouais. Si je prends un chasseur des ombres, ranger, rôdeur, vous allez avoir votre attaque supplémentaire de premier tour. Mm-hmm. Et du coup, il est très facile, dans une condition de surprise, en fait, de cibler une créature et de l'éliminer de l'équation, tout simplement. Immédiatement. Et du coup, vous pouvez vraiment, en fait, changer l'action économie du combat directement, très rapidement. Et du coup, ce que on pensait faire sur Valkynia, par exemple, comme test, une idée que j'avais eue à l'étude de Darkest Dungeon, notamment, c'est de gérer la surprise comme si l'ennemi, en fait, tous les ennemis surpris avaient une initiative de zéro, en fait. Et donc, joue, normalement, mais à la toute fin du tour, quelle que soit l'ordre d'initiative normale, pour permettre à tout le monde d'attaquer en premier et de prendre cet avantage. Ce qui permet d'avoir quand même un avantage assez notable, parce que ça veut dire que les ennemis jouent en dernier et ça laisse le temps de snipe quelques personnes parmi les ennemis, tout en permettant aux ennemis quand même d'avoir une chance de contre-attaquer et de se défendre un minimum à un moment et pas de juste rester avec leur queue entre les doigts au milieu du champ de bataille à se prendre des fireballs pendant deux tours. Trusy, je sens que tu veux parler. Ouais. En fait, moi, je trouve que c'est très fort, effectivement. D'un côté, c'est bien de récompenser les joueurs pour s'ils font un effort pour infiltrer, pour être discret, pour voilà, faire une surprise. D'un autre côté, effectivement, ça peut casser des combats entiers. Et moi, j'aimais bien, par exemple, une mécanique encore plus nerf, on va dire, que le truc de base, que ce que tu proposais. Un peu une mécanique de pool, c'est-à-dire que ta première attaque, le premier qui lance une attaque, elle est comptabilisée comme hors du combat, mais les dégâts se font. Et ensuite, le combat se lance, et à ce moment-là, tu fais roll initiative parce que ça peut très bien, ça peut tomber sur un boss qui, dès qu'il se prend le coup, eh ben, il est du tac au tac, il arrive à se remettre dans le combat, il arrive à avoir une diversité d'esprit qui le remet dedans, et il peut très bien faire un ad-20 et jouer avant tout le monde, tu vois. Selon moi, ça pourrait marcher. Du coup, moi, en fait, pour moi, le tour surprise, ça serait juste la première action qui engage le combat. Un peu comme un pool, c'est ça. Dans un jeu vidéo, tu pulls un mob, il prend l'aggro, et t'as que la première attaque qui est comptabilisé quoi. Alors, si la première attaque, quand tu parles de première attaque, tu considères première action attaque ou tu considères première attaque, premier dégât donné en fait pour moi, bah, c'est la première fois qu'il voit l'attaque. Hein. Par exemple, si jamais c'est loupé, c'est pas grave. Il voit quand même la flèche passer à côté de lui, il peut se mettre dans le combat, tu vois. Donc c'est le premier coup envoyé. Ouais, c'est ça. Parce que par exemple, le combat du Léchen... Je vais énumérer un certain nombre de problématiques liées à ça. Tout le monde n'est pas égal sur une attaque. Alors moi, fondamentalement, ça me pose pas vraiment problème, mais c'est juste que dans ce cas-là, ça peut vraiment que si tu as un tour de surprise, la seule personne qui va vraiment bénéficier de ce tour de surprise, de toute évidence, c'est le rôdeur. Ou le mage, en fonction du niveau. Pourquoi ? Parce que le rôdeur est celui qui a l'attaque la plus élevée en une fois. Et que le mage est celui qui a les dégâts les plus élevés en une action. Tu vois à quel point, en fait, du coup, cette disparité fait qu'un système qui, normalement, est censé prendre en compte l'ensemble du groupe, contrairement à l'infiltration, c'est-à-dire tous tes groupes sont censés être discrets pour pouvoir avoir ce tour de surprise qui est durement gagné, si tous tes personnages doivent avoir cet élément, je trouve ça très dommage, en fait, qu'il n'y ait qu'une seule personne qui en profite. Alors, petit contre-argument, pour moi, c'est pas si durement gagné que ça. C'est, il faut faire un effort, mais d'un autre côté, par exemple, je prends l'exemple du Léchen. On n'a pas fait beaucoup d'efforts, on est arrivé, on a juste tapé. Moi, en fait, je m'attendais à ce que le combat commence dès que ma boule de feu arrive. Et aussi, je prends l'exemple inverse, c'est quand les mobs nous attaquent.
il suffit qu'ils soient invisibles et c'est bon, on n'a pas de jet à faire et tout, ils nous attaquent et c'est fini, tu vois. En gros, c'est pas si dur que ça d'avoir un tour surprise. Et pour moi, c'est beaucoup par rapport justement à l'effort qu'il faut fournir. Parce que attends, deux secondes, si jamais tu fais une infiltration, en gros, ce que tu dis, c'est toi faire une infiltration avec tout le groupe. En gros, pour toi, le tour surprise n'arrive que quand tu fais une infiltration qui implique tout le groupe, donc c'est extrêmement dur à produire et tout. À ce moment-là, oui. Le problème, c'est que dans les faits, c'est pas vraiment ça. C'est pas une infiltration qu'on fait. Bah si, c'est ce qui nous est arrivé avec le Leshen. C'est que le Leshen, en fait, il a une visée de mort lorsqu'il est en dehors d'un environnement naturel. On a une très grande distance. Et pourquoi on a eu le droit à ce tour de surprise sur les ogres? Edril pourra le confirmer. Moi, je vais juste partager ici mes théories. C'est que Askar, à plusieurs reprises, a donné un signal pour dire « il va y avoir combat ». Que Gouledin l'a vu, que le signal a été transmis dans le groupe, et qu'en fait, on savait tous à un moment donné, et on était tous prêts, à aller en découdre. Et il y avait juste les ogres qui avaient leur intelligence sélective habituelle d'ogres d'Eledril, que j'aime toujours autant, qui n'étaient pas au courant de ce combat, et qui du coup ont été surpris par ce truc-là. Parce qu'en fait, le problème, même si le système... Alors, le système de pool, je vais dire un truc, c'est comme ça que je le gérais sur la campagne 1, notamment Trusu, la surprise. C'était, y avait celui qui, par exemple, au milieu d'une conversation, tu disais, bah, je balance Firebolt, t'avais le Firebolt qui partait, et là, je demandais de rouler l'initiative. C'est ça. Le souci que t'as, c'est, parce que justement, j'ai fait le même constat que Recto, c'est que tout le monde n'est pas égal sur l'attaque, et que souvent, ce qui arrivait sur la campagne 1, c'était aussi que celui qui allait pool, c'était pas forcément celui qui avait les meilleures stats, et que du coup régulièrement, mais en fait le combat il partait sur un vieux miss de merde qui souvent en fait servait pas à grand chose d'un point de vue mécanique par rapport à juste bah, tout le monde roule l'initiative, on commence, en soi ça changeait rien parce que quelqu'un tirait, perdait un sort ou une munition et ça faisait rien parce que la personne manquait. Et souvent donner lieu à des longues conversations après la partie en disant ouais mais pourquoi tu m'as pas laissé tirer en premier, pourquoi moi tu m'as pas laissé casser ma fireball d'abord, pourquoi toi t'as choisi de tirer parce que tu sais que t'as un plus 4 de merde alors que moi je tire en plus 12. Et ça crée des tensions plus qu'autre chose d'une part entre les joueurs. D'autre part ça a tendance je trouve à moins récompenser l'approche stratégique et plus récompenser l'approche bourrine. Parce que de toute façon il suffit qu'il y en ait un qui soit assez prêt pour tirer d'abord. Et c'est le maximum que tu puisses avoir. Du coup, ça sert à rien d'avoir tout le monde qui va vraiment réfléchir, se séparer. Je rappelle, il y avait Gouledin et Mordred, par exemple, qui s'étaient mis bien à l'écart lors du combat contre les chaînes pour pas vous gêner à cause de la stature de Mordred quand il essayait d'être discret. Et je trouve que ça, en fait, ça invite beaucoup plus à faire une stratégie d'ensemble et à avoir tes joueurs qui vont essayer de penser comme une seule personne. Que le système de pool où c'est vraiment bah, le gars qui est devant, qui décide de shooter, qui shoot la plupart du temps, au détriment des autres. Et du coup, je trouve ça moins stratégique et ça crée des tensions, en fait. Ouais, après, c'est ça. En gros, moi, je comprends cet argument-là. C'est juste que du coup, ça fait une balance entre soit on veut de l'égalitarisme entre tous les joueurs et ça, c'est cool. Ouais. Ou alors, on veut que le combat reste pas cassé. Parce que y a quand même le problème que... Pour le combat qui reste pas cassé, c'est juste que en fait, t'as des ennemis qui de manière générale pourront pas être surpris parce qu'ils ont en fait une trop bonne vision, ou que le décor autour ne se prête pas du tout à la surprise, ou qu'ils ont, je sais pas, un sixième sens qui leur permet de sortir à la proximité des gens, etc., etc., etc. Ok, donc en gros, t'as des ennemis qui de base peuvent être surpris et d'autres pas surpris. C'est pas des ennemis, c'est plus des environnements. C'est-à-dire que typiquement, si tu veux attaquer, imaginons une armée qui se trouve en plaine, par surprise, ouais. Ça va être compliqué de pas te faire choper par les guetteurs dès que tu vas être à 100 mètres. Sauf si tout le monde est invisible, par exemple, se bat avec des capes elfiques. C'est ça, genre Tianor qui fait le débile en poulpe, ouais. Ouais. Un groupe avec un robot voilà. Brillant dans le lointain qui t'envoie le reflet de sa présence à 2 km. C'est ça. Plus dur. Alors qu'inversement, bah, le robot brillant contre les chaînes, il a au contraire moins de chances d'être surpris étant non organique. Enfin, plus de chances de surprendre étant non organique, je veux dire. C'est ça. Donc étant pas capté par l'essence du Leshen. Sachant qu'il y a des. Par exemple, je pense que si tu prends les assassins de Ravenclaw, les assassins, je pense que eux, ce sont des gens qui ont une très grande capacité à surprendre, mais qui ont aussi une relativement bonne capacité à être surpris. Et en plus. Je pense pas que leur sagesse et leur perception soient extraordinaires. Et en plus, The Dag a un bon argument. Sûrement. The Dag, j'aime beaucoup l'argument qu'il a. En fait, ça contrecarte ce que je viens de dire plus ou moins, puisqu'il dit en fait, tu peux très bien pool à plusieurs. J'ai l'image très bien de tu castes un sort en même temps
et la boule de, toutes les boules de feu et tous les cœurs d'arbalète arrivent en même temps, et finalement ça fait... Pour moi, le Lechem, c'est comme ça que je l'ai vu. En soi, on a dit chacun notre tour, mais pour moi, la boule de feu, le Guiding Bolt, les missiles magiques, les chaos, tout est parti en même temps. Ouais. Hein. Ouais. Et c'est pour ça que ça fait une surprise. Okay. Non, okay. Parce que sinon, vu qu'un tour pour une personne, c'est 6 secondes normalement, je crois. Ouais, c'est un round entier qui dure 6 secondes, c'est juste que chacun utilise ses 6 secondes à sa manière. C'est ça. Ok, ouais, donc... En fait, grosso modo, chaque tour, c'est 6 secondes. C'est 6 secondes qui se déroulent en même temps que les 6 secondes des autres, et ces 6 secondes, ça fait le round, en fait, en entier. Mm. Mais du coup, t'as le magicien qui joue ses 6 secondes, puis t'as le rôdeur qui joue ses 6 secondes, puis t'as l'assassin qui joue ses 6 secondes, etc. Mais au final, les 6 secondes, c'est les mêmes. C'est ça. C'est tous les mêmes, c'est juste qu'il y en a un qui va faire son tour quelques instants avant les autres, parce qu'il est plus haut dans le compteur d'initiative. C'est ça le truc. Mais la surprise, je pense que c'est un outil qui est intéressant, qu'on voit peu, parce que elle est pas toujours évidente à mettre en place. Et parce qu'elle est cassée, tout simplement. Et parce qu'elle est cassée, mais que du coup, je pense qu'un petit tweak, typiquement, ne pas laisser les ennemis jouer, mais leur autoriser leurs réactions et leurs actions légendaires. Si vous trouvez que la surprise n'est pas si cassée que ça. Moi, j'ai une autre proposition, parce que j'aime beaucoup la proposition d'Eledril. Et qui est de considérer la perception comme active si vous avez un outil comme Fonderie, Roll20, etc. Où vous pouvez vraiment enchaîner un nombre de rolls très vite, sans avoir à calculer à chaque fois le plus 1, etc. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, la perception passive, en théorie, elle est favorable à l'ennemi. Dans le sens où c'est un 10 garanti. Donc en fait tu es garanti d'avoir un 10 et tu peux pas te planter, mais elle est aussi défavorable face à des G élevés, et donc rouler la perception de manière active, ça fait que vu que c'est un 10, il y aura toujours autant de chances, voire plus, que les gens se foirent, mais par contre vous avez la chance qu'il y ait une ou deux perles rares dans le groupe qui elles ne soient pas surprises, et qui fait justement que ça va contrebalancer cette surprise. Parce que tu vas avoir Jean-Michel coup de corne et qui va hurler l'alerte, alors que tu as tout le reste du groupe qui va continuer de sanctionner lourdement le groupe ennemi. Et donc en fait, vous pouvez jouer sur les statistiques en vous disant que peut-être si vous avez des groupes, pour un individu par contre, la surprise peut effectivement être celle des drills, mais quand tu es face à un groupe, généralement tu as suffisamment de chances statistiques pour qu'il y en ait un ou deux qui ne soient pas surpris et qui puissent du coup prendre leur action et quand même être actifs sur ce premier tour. C'est vrai que, par exemple, laisser les réactions, par rapport à ce que dit Zubag notamment, je pense que ça peut être intéressant. Alors, laisser les réactions, ça peut être très intéressant. La problématique, c'est qu'en fait, la surprise telle qu'elle est définie dans D&D, c'est un peu un état de choc. C'est un peu la bombe au napalm qui vient de t'arriver à côté du truc, et toi, t'es juste recroquevillé en train de te dire « Putain, c'est bon, c'est passé, est-ce que ça risque encore de brûler ?» C'est pensé comme une paralysie, vraiment. C'est juste, j'étais pas prêt, je me fais surprendre, et ça me prend un certain temps à mon cerveau et à moi-même de me dire, putain, là je viens de prendre 3 uppercuts d'un mec en face de moi, quoi. Règle de combat de rue d'ailleurs, surprenez vos adversaires, n'attendez pas que la personne commence à sortir son poing, vous lui mettez un coup de pied dans les couilles direct sans discuter, et vous avancez sur votre chemin. La surprise, c'est un outil qui s'utilise dans la vraie vie. Merci Papy Rectosis pour ses conseils de combat. Sous combat de rue de Rectosis. ne soyez pas poli, c'est la rue. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur la question de la surprise avant qu'on passe au dernier item de la soirée qui est le combat en très grand nombre ? Rien à ajouter. Moi non plus. Bon, et bah parfait. Alors, combat en très grand nombre. Le fléau. Je crois que Rectosis n'a jamais fini. Ouais, non, c'était sur d'autres options par rapport à la surprise. Moi, il y a une option que j'ai trouvée assez drôle, qui est des mécaniques spécifiques d'ennemis. Comme tu sais que j'aime bien ma mécanique de voler pour mes groupes d'archers, dont on parlera bientôt. Moi, j'aime bien la mécanique d'alerte.
lorsque vous pouvez mettre des objets en place, par exemple pour un corps de militaires armés, certes ils vont être surpris et sous choc, mais si vous avez un élément non surpris dans ce groupe là, n'hésitez pas à lui mettre un coup de corne qui va tout d'un coup rappeler tous les militaires à l'ordre et à suivre les ordres qui leur ont été inscrits pendant de longs entraînements militaires, et du coup les mecs vont naturellement se mettre en formation et être désurpris. Il y a des... N'hésitez pas à vous servir aussi. Et du coup, ça nique la mécanique. Donc n'hésitez pas, pour certains... Non, non, parce que les gens vont pas être tristes, parce que mécaniquement, ça peut être expliqué, et je te le dis, mettez-le sur certains ennemis. C'est-à-dire qu'effectivement, ne mettez pas un loup-garou qui met un coup de corne au milieu du terrain. Là, je vais vous mettre deux claques, je vais venir chez vous et vous mettre deux claques. Le loup-garou, il peut juste hurler, du coup. Est-ce qu'on peut le mettre sur un sanglier qui met un coup de corne au milieu du terrain? Voilà, tu vois, c'est de la même manière que Matt Mercer envoie des frites de piscine à la tête des gens lorsque vous ne respectez pas le contrat D&D, si vous commencez à casser ma diégèse comme ça avec des sangliers qui mettent des coups de corne, je vais venir chez vous et vous mettre deux claques. Est-ce que quand un poulpe casse la diégèse, enfin casse le jeu D&D, est-ce qu'il doit venir chez toi? Est-ce que je peux venir chez toi et te mettre deux claques? Et est-ce qu'il peut utiliser les techniques de corps et plastiquer ta maison chez toi dans le sol? Et en finir une fois pour toutes. Oh mon dieu. Ce serait je casse pas tant que ça le jeu, moi. Je suis un mec respectueux quand même. Ouais, mon cul. Oui, oui. Pour la suite. C'est un moment. Okay. Est-ce que t'as autre chose à ajouter avec toi? Mais c'était intéressant, t'as bien fait d'en parler. Non, c'était non juste ça. Alright. C'était un petit truc spécifique. Combat en très grand nombre, donc. Alors, dans D&D, on va pas se cacher. Faire des combats, c'est compliqué. Parce que ça peut rapidement devenir long, parce que les tours peuvent être longs, parce que le guerrier a 4 attaques, parce que le mage a son sort en action bonus, son cantrip à mettre en action, il a un coup à mettre parce qu'il s'est fait haste, son déplacement. Ensuite, il y a les 13 archers. Les actions bonus, les réactions. Il y a la réaction, bien sûr, il y a les 13 archers qui vont jouer après, les deux molosses infernaux qui vont mettre leur cône de flamme, qu'il faut recharger au début du tour, on s'en indécis. Bref, c'est long, c'est chiant, et vraiment, ça intéresse personne. Sauf si vous savez bien les faire. Mais même si vous savez bien faire les combats dans D&D, et pour le coup, je pense sur les campagnes, on se débrouille très bien là-dessus, il y a un type de combat qui reste ignoble, même pour DMJ qui ont plusieurs années d'expérience comme moi, c'est les combats en très grand nombre. C'est-à-dire des combats avec plus de 10 ennemis. Oula, ça peut rapidement partir en couille. Parce que comment gérer ça? Comment tu gères 10 ennemis? Comment est-ce que tu en gères 50? Comment est-ce que tu gères une armée entière? Est-ce qu'il est possible de faire des combats de cette échelle dans D&D avec des armées qui s'entrechoquent? C'est le sujet sur lequel on va finir ce soir. J'ai personnellement beaucoup de choses à dire dessus. Et alors... je vais juste redéfinir le problème, je vous laisse la parole juste après. Problème numéro 1 de ces combats-là, c'est la durée des tours des ennemis qui sont très longs, cassent la fluidité pour tout le monde se trouve vraiment hors de la partie, souvent assez rapidement, et je vous propose... Le MJ qui joue une demi-heure par tour, quoi. C'est ça, le MJ joue une demi-heure par tour, ou alors il joue 3 tours de 10 minutes, c'est chiant. Je vous propose de commencer par parler des combats avec environ 10 ennemis. On parlera des 50 et des 100 plus tard. 10 ennemis, pour moi, c'est vivable. 10 ennemis, je vais vous dire comment je fais, et je vous laisse rebondir, dire ce que vous en pensez, et proposer vos propres solutions, parce que j'ai pas mal taffé le sujet en amont pour, dans mon cas. Mmh. Pour une fois. 10, 12, 15 ennemis, en général, dans ces cas-là, en fait, je vais segmenter, en blob, en petites unités, grosso modo, mon combat. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons un combat à 12 ennemis, je vais m'arranger pour avoir 4 groupes de 3, qui jouent indépendamment les uns des autres. Donc par exemple, tu as deux arbalétriers et un homme d'armes à un endroit du champ de bataille, de l'autre côté, il y a 3 barbares qui sont en train de combattre, et du coup, ça t'évite de jouer les 12 de suite et d'avoir ton fameux tour là, de 30 minutes avec donc, tes joueurs qui peuvent jouer entre-temps. Ça évite deux choses. D'une part, le tour très long, où tu as les 12 ennemis qui jouent, et d'autre part, ça évite de mettre un gros burst de dommages à tes joueurs, où tout va bien, tout va bien, tout va bien, et d'un seul coup, il y a 24 attaques en prenant les multi-attaques qui partent, et là, subitement, il y a le clerc qui est au sol, le mage qui a échoué deux death save, et les deux... l'arbalétrière et l'artificier qui sont mourants. Ça, c'est ma solution pour on va dire les petits gros nombres. C'est-à-dire la dizaine d'ennemis. Qu'est-ce que vous pensez de ça, et quelles seraient vos solutions à vous, si vous en avez d'autres à proposer? Actuellement, j'ai toujours pas eu
l'occasion, ou en tout cas, je me suis pas fait. J'ai pas encore fait dans ma campagne des combats avec 10 ennemis. Ouais. Tout simplement parce que bah, j'en ai peur. Déjà, j'aime pas. Tu as bien raison. J'ai du mal avec les combats. À faire des combats, tout simplement. J'arrive pas à les équilibrer correctement. Et du coup, le faire. On a des épisodes sur cette chaîne pour ça que je recommande à tout le monde, qui est très bien fait. C'est bien vrai. Mais du coup, ouais, une dizaine d'ennemis, je crois pas l'avoir encore fait. J'ai dû faire 6-7 max. Et ouais, ça c'est un nombre qui est proche de la quantité de gens que t'as dans le groupe, donc ça va ouais, en général. En vrai, ce que j'ai eu à faire, ça allait. Enfin, du coup, je crois que ça allait. Non, ça allait. Je peux dire que du moment les combats, il y en a qu'un où il était vraiment pas. Enfin, c'était les larves, mais autrement, ça va. Alors, ouais, si on en revient au sujet. Ouais, c'est ça. Non, mais bien sûr, on est encore dans le sujet. Hein. Pas de soucis, on n'a pas dévié. Du coup, ouais, pour moi, jusqu'à ouais, 10-12, à la limite, tu peux les jouer individuellement. Les Bloods, c'est bien, je trouve que non, du coup, ça rend les combats plus dynamiques. Tu peux pas les jouer individuellement. Alors, il me semble que c'est le Combat Direct 6 il y a longtemps. Il y avait beaucoup d'ennemis et que les ennemis pouvaient être joués de manière individuelle, pardon. Ça me dérangeait pas tant que ça. Alors, ça dépend. Moi, en général, quand même, je leur mets des tours d'initiative d'escadron en fait. Donc déjà généralement ils sont par 3 ou 4 en fait de toute manière le plus grand vice sur le combat en très grand nombre c'est la variété d'ennemis que tu as. C'est ça vraiment la vis qui fait mal parce que t'aimes bien justement avoir un peu le fait que t'es pas juste 50 blobs qui t'attaquent mais que t'es genre 5 6 types d'unités pour 40 personnes quoi au minimum. Au-delà, ça te fait du mal, et en dessous, ça te fait du truc. En dessous, tu te fais juste chier, en fait. C'est les 40 kobolds ouais. qui vont tabasser Flynn et les Drill. Et là, tout le monde se fait chier. Donc, en général, il faut que t'aies vraiment ces trucs. Alors moi, généralement, je les fais par écadron du même type d'ennemi, parce que comme ça, je peux juste rouler à la chaîne, en fait, ce que je fais, et après, je te fais la liste de tout ce qui est tombé. Et avec la liste de tout ce qui est tombé, on avance, etc. Et j'essaye d'éviter de faire trop de descriptions, occasionnellement j'en fais une, pour décrire, entre guillemets, quel type d'ennemi t'es en train d'affronter, mais c'est assez rare. Donc, pour moi, 10, 15, c'est pas un problème. Tu peux même presque les jouer individuellement en fonction du type de combat, genre par exemple si c'est des unités de renfort, etc. En général, les unités de renfort, je les mets sur la même initiative que certains autres ennemis. Quand je les inclus au fur et à mesure. Alors, avant que tu finisses, je vais rebondir déjà là-dessus. Moi, pour moi, tu peux pas tout rouler. Quand t'en as 12, quand t'en as 15, tu peux pas tous les rouler. Ça prend... En fait, c'est chiant à crever, en fait. Alors, par exemple, sur Candlekeep, mec, quand j'ai 12 ennemis, mes groupes de 4, je compte qu'en moyenne, ça me prend 15 secondes à avoir tout roulé, vérifier les lacets de mon ennemi, lui dire les dégâts qu'il prend. 15 secondes max. Quand j'ai 4 à 5 ennemis. Hein. À la fois. Il y a un combat qui 5 ennemis, ça veut dire que tu fais 3 secondes pour cliquer sur tes rolls, les annoncer, attendre que ton joueur te confirme sa CA, rouler les dommages Il m'annonce, il me dit son j'annonce le premier roll, il me dit mon AC c'est X quand je lui dis est-ce que ça touche. Ouais. Et puis à partir de là, je prends juste les rolls qui touchent, je lui annonce rapidement les rolls et je lui annonce les dégâts liés à ces rolls. Il dit là 22, 21 et 23 touches, du coup ça te fait 5, 7 et 8 dégâts, il les note. C'est plus mon problème, on passe à l'action suivante. Ouais, c'est aussi ce que j'avais fait, du coup je me souviens maintenant, j'avais fait un combat avec une dizaine d'ennemis, je sais pas si tu vois, dans la forêt avec les Gaki. Et du coup j'avais fait aussi par... Alors, parle un peu plus près de ton micro par contre, c'est un moyen, parce que je t'entends très bas. Je peux pas, il est juste là, je peux pas bouger. Ah putain, attends, je vais essayer de te monter, mais je pense que t'es à 200. J'ai monté. Ouais. Du coup j'avais fait un combat en forêt avec donc des Gaki, donc c'est des trucs que j'ai créés. Qui sont des stats de zombies, je crois, tout simplement. Ouais. Et du coup, j'avais fait une dizaine, et pareil, j'avais fait des escadrons de. J'étais à couper en 3-4. Donc, il y avait 4. Ouais, c'était même plus d'une dizaine d'ennemis. Et au final, ils avaient chaque groupe avait une initiative. Et après, je les ai fait se rapprocher pour avoir. Et après, je lançais juste les attaques, comme à Directosis, en fait. Je lançais les attaques d'affilée, je demandais si ça touchait ou non. Et puis voilà, je disais des dégâts, quoi. Ouais. Sans me prendre trop la...
Je vais remonter ce que dit Zubdak dans le chat. Quand t'as 15 kobolds qui t'attaquent, c'est 15 pierres qui t'arrivent dessus, pas 15 attaques de pierres qu'on fait sur toi. Je suis assez d'accord avec ça, et moi c'est comme ça que j'aurais tendance à le rouler, c'est-à-dire que... Quand t'as... Drill. De quoi? Putain le bâtard. Ok, non, c'est... Ah, ça y est, on va voir Ectosis mourir en direct ce soir. Bah non, il est pas sur 5ème. Qu'est-ce qui se passe? Ah putain, ah, on l'aura ensemble. Il a chopé un crapaud. C'est un crabe? Non, c'est une grenouille. Bon, je sais pas. C'est une grenouille. C'est un crabe, il est mute. Quoi? Il vient de la perdre, putain, mais quel con! C'est un crapaud! Boudure, c'est un crapaud! Ça, c'est pas une grenouille. Mais il m'a pissé dessus, du coup, le con, c'est pour ça que je l'ai lâché! D'accord. Ouais. Mais tu m'étonnes qu'il t'ait pissé dessus, il a peur le crapaud! Bah oui, je sais, il a raison. Mais ça aussi, en plus. Mais ouais, du coup, comme je disais, et c'est vrai que je suis pas tout à fait d'accord avec Recto, c'est-à-dire que même s'il arrive à faire super vite et qu'il roule ses 15 attaques en 15 secondes, tant mieux, mais je trouve que rapidement, en fait, 15 secondes pour un groupe, plus 15 secondes pour l'autre, tour 1, tour 2, tour 3, ça devient relativement très long, et même, en fait, je trouve ça pas réaliste. C'est-à-dire que, comme dit Zubdag, quand t'as beaucoup d'ennemis qui te tirent dessus, par exemple, c'est une salve en fait que tu reçois. De même que, en fait, quand t'as, je sais pas, une armée de soldats qui est face à toi, qui met un genou en terre et qui tire, t'as pas genre les 100 soldats qui sont en train de te viser, mais genre t'as 100 balles qui arrivent vaguement dans ta direction. Il y en a une partie qui va toucher, il y en a une partie qui va manquer. Mais pour moi, tu roules pas 100 G sur la première ligne en fait. Donc moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que pour gagner du temps et pas justement en parole, en fait, je prends les chances moyennes de toucher. C'est ce que je faisais notamment avec les guerrieros de Gul'edin dans la campagne. Ouais. Parce que bah, Gul'edin, après la mort de... Il est Beastmaster. Donc Rodder Beastmaster. Après la mort de son salouf, de son animal lors d'un combat, avant qu'il ait le prochain, parce qu'il pouvait pas arriver tout de suite le prochain, je lui ai filé 5 bonhommes, 5 archers. Et du coup, pour éviter que son animal... entre guillemets, et 5 tirs à faire à chaque tour et que ça prenne 4 heures avec les tours de Gul'edin face à lui seul les tours des 5 autres, en fait, je prenais les chances moyennes de toucher par rapport à la CA de l'ennemi qui visait. Et par exemple, admettons un ennemi qui avait... le mec qui tapait en plus 5, je considérais qu'un ennemi qui avait 20 CA, sur 4 tirs, il y en avait un qui allait toucher automatiquement à chaque tour. Sur un ennemi qui avait 15 de CA, je considérais que sur les 5, il y en avait 2 qui allaient toucher automatiquement à chaque tour, etc. Et éventuellement, là, tu fais rouler des dommages, ou tu peux même utiliser les dommages moyens dans ces cas-là pour gagner du temps. Recto, je sais pas si tu veux nous parler justement de ton système de salve, si t'es toujours là ou si t'as encore des problèmes de crapaud. Oui, non, mais okay. Si, je suis toujours là, hein, je vous entends, hein, j'étais juste en train de nettoyer le bordel que foutait le crapaud. Que tu as foutu, c'est toi qui as mis le crapaud ici. Non, je l'ai relâché dans la nature, je l'ai trouvé sur ma terrasse en fait. Pauvre crapaud. Voilà. Et merci Basso pour l'inspiration, on t'aime. J'en ai encore besoin, Bafobit. Et Non. Yaton, je te vois, Yaton, non. Mais non. C'est pas ça. Merci Yaton. Du coup, c'est gentil. Le système, c'est que moi j'aime beaucoup pour les unités qui sont entre guillemets des armées. Typiquement, la série de soldats, la meute de loups, etc. Qui faisaient des actions de groupe, tout simplement. Qui correspondent en fait à l'organisation qu'ils ont. Par exemple, sur un groupe de loups, j'ai récemment. Même s'il n'en ai pas eu besoin, j'ai récemment créé la mécanique de déchiquement. Où en fait, c'est une save assez vénère, parce qu'en plus, ils n'ont pas de tactique, les cons. Donc du coup, ça justifie le fait que la save est vénère, et du coup, tous les loups vont te grignoter et t'arracher un bout de ton corps en même temps. De la même manière, pour mes archers, j'ai une mécanique de salve qui est un DC en AOE, qui en fait, toutes ces attaques-là scale avec le nombre d'alliés en présence. Donc par exemple les archers, plus tu vas avoir d'archers en même temps, plus la salle va être large, le DC va pas forcément être beaucoup plus dur, mais du coup tu apprends un nombre de dégâts aussi qui va croître avec le nombre de flèches envoyées dans la salle. Et donc c'est plein de mécaniques de combat, les lanciers, il me semble que j'ai comme mécanique la charge de cavalerie, qui elle est une mécanique différente, qui est en fait basée sur deux types de jets, un jet de constitution pour endurer la charge du cheval, ouais. Et un jet de dextérité pour éviter l'attaque de la charge, en fait. Et donc, il y a plein de mécaniques que vous pouvez créer au niveau de vos monstres pour que ce soit plus cohérent et plus facile pour jouer sur un grand nombre d'ennemis.
Comme tu l'as dit aussi, il y a la mécanique de l'auto-hit, qui ça, par exemple, si vous avez un escadron de 4 ou 5, vous pouvez dire que l'attaque passe systématiquement, et en théorie, si vous utilisez les règles proposées par le DMG, encore une fois, vidéo de Zibachou, que je vais pas arrêter dont je vais pas arrêter de parler ce soir, vous prenez pour l'attaque, de l'ennemi le plus puissant de ce groupe, comme si tous les autres l'aidaient, en fait. Tous les autres l'aider à faire cette action-là, quoi. Parce que c'est lui le membre le plus important de son escouade. Donc typiquement, si vous avez une unité de commandement, imaginons par exemple un kobold cœur de dragon, il me semble que c'est comme ça que je peux les traduire, et qu'il est entouré de kobolds de merde, bah, le kobold cœur de dragon sera celui qui fera l'attaque. Et si par exemple son attaque c'est un javelin, et que le javelin ne revient pas, puisque les armes de lancer ne reviennent pas naturellement dans ta main, sauf dans certains cas, par exemple mes kobolds à moi, parce que je les aime beaucoup, vous considérez qu'un autre kobold derrière, par contre, va sacrifier sa javeline pour qu'il soit toujours équipé son javelot, parce que c'est une unité d'armée. Donc, plein de petites mécaniques. Et donc, voilà. Ok. Truzu, je sais pas si t'as des choses à ajouter de côté pour les combats à 10. Combat à 10, pour moi, c'est tout ce qu'il y a globalement à dire. Okay. Après, ce sera le même principe pour moi, ce sera le même principe pour les plus gros combats. Hein. Sera juste faire des escouades plus grandes. Et non, ça on va pas être d'accord, mais c'est pour ça qu'on est là pour partager. Ouais. Après, pour le coup, je suis pas extrêmement fan moi du principe de tous les alliés donnent, enfin tout le monde donne l'aide en fait aux plus gros ennemis. Parce qu'on sait bien que les combats, généralement, ce qui est le plus puissant, c'est de bourrer dans le tas avec son corps, c'est la masse qui compte. Et ça fait pas vraiment de sens qu'il y ait tous les ennemis qui sont en mode lui il faut qu'il tape, tu vois. Sauf s'il est vraiment si puissant que ça, tu vois. Bah c'est ça, c'est à dire qu'en fait tu fonctionnes souvent sur la mécanique du héros. Si je prends la statistique d'un chevalier et si je prends la statistique d'un clerc ou d'un paladin, je crois que attends. Si je prends chevalier, il me semble que si je prends par exemple le mage est 2 CR au-dessus. 2 CR au-dessus, ça veut dire que grosso merdo, il est censé être 10 fois plus puissant que l'autre. À ce moment-là, ouais. Parce que le mage, justement, a la capacité par exemple à faire fireball sur la gueule des ennemis. En gros, t'as cette relation au CR qui est de plus en plus drastique, plus tu montes dans les rangs. Par exemple, si je prends les loups-garous de base, donc les werewolves, et que je prends le loup-garou de Ravenloft, les werewolves ont un CR de 3. Le loup-garou, il a un CR de 13. Il n'y a aucune raison que les loups-garous ne donnent pas comme priorité que le loup-garou, le vrai, attaque par rapport à eux qui vont faire des attaques de merde. Parce que la puissance n'est pas la même. Pour différencier les deux, Ectosy, je te propose de prononcer alors werewolf loup-garou et loup-garou loup-garou. Donc comme il se doit d'être prononcé dans le livre de Ravenloft. Je pense que je vais l'appeler le Gévaudan. Mais loup-garou, c'est bien aussi. C'est ce qui l'a inspiré. Donc je vais l'appeler le Gévaudan et je vais l'appeler les loups-garous. Voilà. Donc le Gévaudan a un rapport de puissance tellement élevé par rapport aux autres créatures sur le terrain qu'il est normal, entre guillemets, qu'il laisse. C'est un peu la blague que je vous invite à regarder. Ça, c'est Bed of Chaos, donc le créateur de Donjons de Nalbuck, qui s'était amusé à faire une petite histoire à base de combat sur le jeu de combat stratégique. C'est Total War Warhammer, où t'as justement les deux nains derrière qui disent « Non mais notre chef, il est légendaire !» T'as vraiment cette notion de héros dans ces univers de fantasy, qui fait que justement, on va aider le mec qui est le plus costaud. D'accord, dans ce point de vue-là, je comprends. En fait, c'est littéralement, tu sais, c'est le système du champion, quoi. C'est-à-dire que t'as tes gobelins qui sont là, en train de faire « et au milieu, t'as le warlord, t'as le seigneur de guerre gobelin, qui est celui qui va faire le gros du travail, et les petits, ce qu'ils vont faire, basiquement, c'est de l'aider, au contraire, ils vont essayer de ne pas se mettre sur sa route, parce que le warlord, de toute façon, va être le premier à les écraser s'il le gêne, en fait. Ouais, mais du coup, en quoi, par exemple, ça diffère dans un combat, admettons, à 100? Je vais prendre un exemple hypothétique. Ah, mais attends, notre campagne... on y vient tout de suite. Ouais, vas-y, je te laisse. Du coup, avant, combat à 100, il y a le combat à 50. Où t'as quelques dizaines. Le combat à 50, je le mets vraiment à part. Pour moi, 100 plus, c'est vraiment un truc qui est de son côté. Le combat... Plus, comme on le voit, ça va plus être un combat, en fait. C'est une bataille, en fait. C'est vraiment une bataille. Si on est sur 50, pour moi, ça dépend encore de s'il y a un héros ou pas. Alors, parce qu'en fait, sur 50, basiquement, en fait, si t'as une force ennemie de 50 personnes,
Alors, soit tu considères ça comme un boss, un ennemi unique, par exemple, comme ils font dans Strahd, avec notamment les roturiers lors des grandes manifestations, on va dire. La blague des 50 roturiers, là. C'est ça, la blague des 50 roturiers. En fait, on fait juste un gros ennemi qui est très gros et qui a un stat block particulier. Bah, pourquoi pas, par exemple, admettons... Et qui, en fait, si t'en tues une certaine quantité, en fait, tu peux les mettre en déroute, donc t'as déjà l'intérêt de la stat de morale, par exemple. D'accord, mais ils peuvent aussi, par exemple, avoir juste plein d'attaques par tour, tu fais un ennemi qui correspond à... Genre, sa vie, c'est le nombre de gens qu'il y a dedans, on va dire, à peu près. Tu divises, genre, un truc comme ça, et en fait, il a juste plein d'attaques, et cette attaque diminue au fur et à mesure, tu vois. C'est ça. Ça, c'est une gestion. Bah, en fait, ça marche très bien. Alors, t'as ça. Et ça existe déjà dans le jeu, sous la forme des nuées, typiquement nuées. La nuée de serpent, la nuée de... Nuée de rat, nuée de... des ennemis qui existent déjà. Centipede, etc. Bah, du coup, voilà, de chauves-souris. C'est la mécanique des nuées qui en gros sont des gros tas, et en fait plus tu leur fais de dégâts, moins eux en font. T'as ce ratio-là qui existe. Et dans le cas en fait où c'est des ennemis de taille humanoïde, t'as des nuées géants qui fonctionnent encore, ou alors t'as la stat qu'utilisent les drills et que j'utilise moi, qui est la stat de morale. Voilà. La stat de morale, ça va être lié directement par exemple à l'intervention de ton champion, qui lui va peut-être réussir à mettre à bas un ennemi. Et par contre, si derrière t'as un mage qui met boule de feu et tout d'un coup les gars découvrent ce que c'est que le napalm, et t'as 50 soldats derrière qui ont fondu avec leur armure, qui sont en sang, qui sont tous à l'agonie, je t'avoue que les gars ils vont peut-être réfléchir à 2 secondes avant de continuer de charger comme des bœufs, quoi. Alors il y a un autre truc aussi que moi je fais pour les combats à 50, c'est typiquement ce que vous avez vu séance 1 sur Valkynia. C'est à dire qu'un combat à 50, c'est rare que t'es genre juste les héros versus 50 personnes, tu vois. Ou sinon c'est que ça a sacrément dégénéré en amont. Souvent quand t'as des combats à 50, 60, entre 20 et 100 ennemis, en général t'as 2 parties qui sont en train de se faire la guerre, et t'as les héros qui sont soit au milieu, qui soit dans un des 2 parties. Et dans ce cas-là, moi, je gère ces petites batailles locales avec des systèmes d'opposition, c'est-à-dire qu'à chaque tour, en parallèle des actions des héros et du combat des héros contre les ennemis individuels, ou contre le champion, éventuellement, chaque clan, entre guillemets, chaque partie, va faire une série de jets d'attaque pour voir comment il s'en sort, en fait. Par exemple, on a, la police qui va faire une série de jets d'attaque, les brigands qui vont faire une série de jets d'attaque, on va dire... 5 pour la police, 5 pour les brigands, le but c'est pas d'en faire 50. Et si par exemple la police roule très bien ses jets d'attaque, on va considérer qu'il y a 2 des brigands qui meurent à ce moment-là. Si les brigands roulent très bien leurs jets d'attaque, on considère qu'il y a 2 des policiers de la City Watch de Waterdeep qui meurent à ce moment-là, en parallèle du combat. Si tout le monde fait de la merde sur ses jets d'attaque, tu considères qu'il y a un statu quo, et que ça va vraiment dépendre des héros de renverser la situation, en faveur d'un clan comme de l'autre. Sinon, il y a la solution de considérer que c'est plusieurs groupes de 10, en fait. Et du coup, qu'est-ce que tu fais alors que tu fais des jeux d'opposition, en fait? Ouais, ça, c'est des jeux d'opposition, en fait, clairement. Ouais. C'est clairement des jeux d'opposition, mais qui sont pas sur une compétence ou une caractéristique, mais qui sont vraiment des jeux d'attaque. Alors après, effectivement, comme tu le dis, en disant plusieurs groupes de 10, je pense que tu disais référence à des trucs que je disais plus tôt, genre par exemple les compétences de voler, etc. Ouais, tu peux l'appliquer aussi. Si t'arrives à avoir des mécaniques qui sont facilement scalables. Les volées d'archers, généralement, chez moi, elles sont scalables, par exemple. Ouais. C'est-à-dire que j'en ai 10 ou j'en ai 200, c'est plus ou moins le même jet. C'est ça. Mais grosso modo, pour moi, de 50 à 100, t'as besoin d'avoir quelque chose qui se passe en arrière-plan et qui va faire que la masse, elle va évoluer d'elle-même et repose pas seulement sur le spammage débile de boules de feu de la part des héros, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien en face. Pour moi, t'as besoin d'un système de morale. Et t'as besoin de ce système de jet d'opposition avec, pour simuler, c'est le fait que les combattants, en parallèle du combat que sont en train de livrer les héros, il y a des combattants autour d'eux qui meurent, qui touchent, qui ratent, etc. Et il y a besoin, je dirais, aussi d'un bon paquet de descriptions, parce que rendre un combat qui est juste un rôle de bluff contre un rôle de bluff intéressant et épique, c'est pas facile au premier plan, tu vois. Genre, moi, ça me semble pas évident de rendre ça intéressant. Et je sais pas. Je sais pas si t'auras un mot là-dessus, surtout pour les batailles à 100. Ouais. Alors, pour les batailles à 100, pour moi, c'est plus facile. Ouais, on les joue pas. J'ai déjà encore un mot à dire pour les batailles à 50. Attends, j'ai juste répondu à la question de Trusu, du coup. Pour moi, ça dépend pleinement de ta compétence de MJ. Tu sais, une de tes principales compétences de MJ, c'est ta capacité à prendre un jet de dés, un rôle, et interpréter ce qui va se passer dans le monde et faire une description. En fait, improviser une description sur ce moment-là. Ça, dans ce cas-là, il faut que tu aies une bonne capacité pour, par exemple, genre.
Tu sais, tu roules tes gardes, tu vois que le premier il fait 18, le deuxième il a 20, le troisième il fait 12. Tu roules tes brigands d'opposition, ils font 11, 10 et 7. Et là, tu dis, bah, en fait, il y a à l'arrière-plan, tu vois 3 des gardes qui réussissent à ceinturer un des brigands. Le troisième le transperce de son épée, tandis que le quatrième réussit à esquiver le coup d'un autre des brigands et lui décoche un puissant coup d'épée au niveau de la gorge, le décapitant sur le moment. Et là, et en tu gros, supprimes 2 tokens. En fait, c'est que tu fasses. Vas-y. Tu fasses comme si t'avais justement roulé les dés, quoi. C'est ça. En fait, tu simules le fait de rouler. Je dis juste. Tu simules le fait de rouler 50 dés d'un côté, 50 dés de l'autre, c'est juste qu'au lieu d'en rouler 50 et 50, tu vas en rouler 5 et 5, basiquement. Recto, vas-y. Donc par rapport à l'idée de Dokrain, qui est que c'est des idées de généralistes et que tu supposes que comme tout, ça dépend de la bataille, de la campagne et de comment est abordé le combat par le groupe et le contexte. Alors oui, mais on va tout de suite aborder un truc, c'est que je pense que pour moi, il y a une notion critique de durée de combat. Ouais. La durée de combat, le combat c'est génial, hein. Mais je connais pas un groupe qui est capable de se taper 8 heures de combat d'affilée. Ouais. Sans interruption, heures. J'entends. Même 3 heures, c'est vraiment chiant. La grosse bataille de ses morts où. 3 heures, je suis encore, 4 heures, j'y arrive. Même si à la fin, généralement, je suis au bout de mon souffle et j'en ai marre. Alors, 3 heures. J'ai sûrement décroché 4 fois. 3 mais... heures, ok, pour le combat d'antagoniste, le combat de chapitre, un truc qui a vraiment du poids. 3 heures c'est à ça. Tuer, genre, des mecs random dans une pièce X, dans un donjon random, dans le premier étage. Moi, tu me perds, en fait, instantanément. C'est ça, c'est qu'il y a une masse globalement incompressible. Pour le combat à 50, je vais rajouter un autre truc, c'est que moi, ça, je le fais pour le combat à 50, et je le fais moins pour le combat à 100, parce que pour moi, le combat à 100, c'est un combat scénarisé. Simplement. Je suis entièrement d'accord. Sur lequel, en fait, les joueurs ont la capacité à interagir. Le combat à 50, en général, ce que je fais, moi, est encore différent de ce que fait les drills. Moi j'ai tendance à dire que ma solution fétiche pour ce truc là, c'est de dire en fait la quantité d'alliés ou d'ennemis qu'ils ont à un DC qui est égal à ça en passif, donc qui va leur faire un plus 1, plus 2, plus 3 par exemple. Les ennemis, par exemple, ils ont de meilleures armures, même s'ils sont moins nombreux, vont avoir un plus 1, plus 2, plus 3. Généralement du coup en fait j'annule les deux pour qu'il y en ait un qui est plus 1 et l'autre qui soit plus 0 ou un qui soit plus 2 et l'autre qui est plus 0 et je roule 2d20 qui comptent toute l'issue du combat et qui en fonction de la disparité entre le nombre de dés c'est plus ou moins le nombre de morts que je vais infliger, sachant qu'à côté j'ai deux petites tables qui me disent qu'en fonction du décès c'est le nombre de morts qu'il va y avoir et au fur et à mesure en fait le puisque c'est un pourcentage donc généralement je l'ai sur un Excel pour être exact. Et en fonction en fait du nombre de morts qu'il y a, et bah du coup ça va donner des bonus à un des deux groupes. Par exemple, chevalier contre bandit, il y a beaucoup de bandits, peu de chevaliers. On va dire que les bandits ont un plus 1, il est possible qu'à la fin ce soit les chevaliers qui ont un plus 2 et eux qui aient plus 0 parce que les chevaliers ont réussi à très bien rouler et du coup la bataille est partie en faveur des chevaliers tellement lourdement que le bonus s'est inversé. Moi du coup j'ai une question, c'est comment et du coup j'ai juste besoin de rouler 2G et d'avoir un taux de mort. Et je suis prêt à donner le Excel à qui veut. Quand ton camp perd et que t'es en plein milieu de la bataille et que t'es face à l'héros adverse, que ton combat est fini mais que t'as 200 chevaliers autour de toi qui t'encerclent, tu fais comment du coup pour gérer le combat? Ou alors, généralement, ça c'est lié à la stat de morale, c'est-à-dire que pour moi il y a une zone critique qui est la zone du plus 3. Pour moi, en fait, le moment où tu dépasses un bonus de plus 3 sur mon calculateur, le moral casse naturellement. Et ça peut être impacté plutôt par le mouvement, par exemple, des héros. Ok. Donc du coup, ça veut dire que toi, tu peux choisir d'attaquer des ennemis individuellement. Ça, c'est pas un problème. Et que pendant ce temps-là, à côté de ça, la bataille se déroule. Mais qu'en gros, si j'en arrive à un bonus de plus 4, donc par exemple, au début, il y avait 20 chevaliers, 40 bandits, et à la fin, il y a juste 10 bandits, 20 chevaliers... et qu'il n'y a pas de chevalier qui est mort pendant tout ce putain de combat, ils vont juste baisser les armes, ils n'ont aucune raison de continuer de combattre, c'est bon. Ils ont vu qu'ils n'ont pas l'air super fatigués, qu'ils sont en train de se faire défoncer, ils ont réussi à pas en tuer un seul, c'est comme la stade de santé mentale de Crane, c'est-à-dire qu'il y a un moment où les mecs craquent, ils ont vu 30 de leurs potes mourir, il n'y en a pas un des mecs en face qui est tombé. Alors juste pour info, Valkyria le samedi... pour ça. Valkyria le samedi, on joue avec une stat de morale en fait que j'ai en brou sur la campagne par exemple. Et que les ennemis partagent aussi avec les joueurs. Morale slash santé mentale. Slash santé mentale. Ouais. Donc
Parce que nous, c'est plus de la santé mentale et du moral social, c'est pas du moral de combat. Parce que ouais, sinon, c'est, aurait, oui, c'est au sens moral, genre personnel, pas moral. Ils ont baissé leur moral. C'est ça. Le moral de bataille, par contre, pour tes PNJ, ça existe, quoi. Ouais. Alors, voilà. Pour parler, je vois que le chat part plutôt sur les combats à 100 tout de suite. Je pense qu'on a peut-être fait le tour pour les combats de 50 à 100, à mon avis. Ils sont assez galères, c'est pas forcément les plus passionnants, je trouve. Mais là, je pense que là, les deux petits trucs, alors ce que j'ai donné, ce que Recto a donné aussi, à mon avis, ça permet de régler le problème de manière assez sympa. Donc, d'ailleurs, j'ai bien noté ce que tu avais dit, Recto, j'y pensais pas. Donc comme quoi, c'est cool, parce que nous aussi, on apprend des choses, les mercredis. Mais pour les combats à 100, ouais, comme et je vais avouer que ce qui m'a fait développer ça, c'était parce que... C'est parce que j'ai appris de ta manière de faire, en fait. Ah. Donc... ce que tu me donnes, je le renvoie, ne t'en fais pas. Ravi d'avoir pu t'inspirer. Pour les combats à 100, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, c'est un, en fait, c'est pas un combat, en fait, c'est une bataille. C'est un scénario, le combat à 100. Enfin, 100 plus, j'entends. Donc, 100, et là, pour le coup, tout ce qu'on va dire sur les combats à 100, dites-vous que ça s'applique au combat à 500, au combat à 1000, au combat à 2000, au combat à 100 000, si vous voulez. Pour moi, le combat à 100, en fait, c'est pas un combat, c'est une bataille. C'est-à-dire, c'est un scénario où les PJ vont devoir accomplir un certain nombre d'objectifs pour pouvoir influencer le cours de la bataille. C'est notamment une des scènes finales sur la campagne 1. Quand je dis scène finale, c'est vers la fin de la campagne, c'est environ 10 ou 15 séances, je crois, avant la fin. Où, pour le coup, en fait, il y a ces deux énormes camps qui sont arrivés enfin aux prises l'un avec l'autre. Et, pour le coup, c'est complètement con de dire à TPJ, bah, va défoncer les mecs sur le champ de bataille. Ça va, ça va servir à rien, même si les mecs ils ont des mages, ils ont du fireball, ils ont du shatter, ils ont des trucs même beaucoup plus énervés que ça à ce niveau de la partie. À l'échelle d'une bataille, c'est pas ça qui va te faire gagner. Meteor Swarm, quand même, je pense que ça calme une bataille. Mais Meteor Swarm, on est en train de parler niveau 9, quoi, quand même, tu vois. Ils auraient ouais, c'est ça. Et c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, c'est avoir le mage carré qui fait je vais m'en occuper. Meteor Shower! Je vais donner un autre exemple. Illusory Terrain, tu fais apparaître une armée en face qui main de route l'autre adverse. Quand tu fais apparaître des trucs vraiment sur le paysage, tu vois, l'armée arrive et elle voit un truc devant 10 000 hommes en mode ok, je pars. Tu vois. Et bah, ça peut être un. Comment? Une utilisation des joueurs aussi. Ouais, ah ouais, non, mais clairement. Mais après, en fait, ce que je fais moi dans ces cas-là, c'est que après, c'est les trucs que tu dois travailler à fond, en fait, ces grandes batailles. Ces grandes batailles, c'est les trucs les plus compliqués à faire parce que rendre le côté épique dedans sans que tes joueurs aillent défoncer 10 000 hommes d'un seul coup, c'est très difficile. Parce qu'en fait, il faut trouver des tâches précises, ponctuelles à faire, tout en donnant le sentiment de cette bataille à très grande échelle qui se déroule autour d'eux avec le destin d'un royaume, voire d'un continent qui est en train de s'y passer. Et ce que je fais en général, c'est que dans ma préparation, je vais sélectionner un certain nombre d'objectifs que les joueurs peuvent faire. Ça peut être tuer un général ennemi, par exemple. Ça peut être détruire des ressources dans l'armée ennemie. Ça peut être attaquer un QG. Ça peut être défendre un rempart, défendre une porte, pour empêcher les ennemis de rentrer dans la cité et gagner du temps pour que les renforts alliés arrivent sur le champ de bataille. Campagne 1, il y avait également un objectif qui était de couper un portail qui faisait arriver des créatures magiques ennemies sur le terrain. Et en fait, tout ça, tes joueurs... ils vont voir plusieurs choses. C'est que d'une part, ils ont le choix entre y aller en groupe, mais du coup, ne pas avoir le temps de faire tous les objectifs avant que la bataille n'avance de trop. Et du coup, devoir sélectionner vraiment des objectifs particuliers. Ou se séparer pour faire ces objectifs-là et tous les faire en même temps, mais du coup, avec des forces très diminuées. Donc déjà, je trouve ça intéressant parce que ça force tes joueurs à vraiment avoir une approche stratégique de qu'est-ce qu'on fait et qui on envoie faire quoi. Je trouve aussi que c'est hyper intéressant parce que comme, et du coup la boucle sera bouclée pour ce soir, les séances d'infiltration, c'est vraiment le moment où si ton groupe choisit bien qui va faire quoi, chacun va pouvoir briller devant un royaume entier. T'as envoyé le mage couper le portail parce qu'il a du dispel magic, par exemple. T'as envoyé ton maître d'armes ou ton capitaine d'armée combattre défendre la porte, parce qu'il est capable d'organiser les hommes, il connaît les fortifications, et du coup, c'est le mieux préparé dans une équipe pour faire face à des ennemis et empêcher de détruire un pont-levis, par exemple. T'as envoyé ton chasseur de sang duelliste combattre le général ennemi à un contre un.
Parce que vous savez que c'est un mec qui est orgueilleux et que si tu lui proposes un duel à un contre un, il est assez con pour l'accepter. Et... On voyait le clerc faire le médic d'urgence, ce qui fait que les mecs s'agacent parce que toutes les deux secondes, les gars se relèvent. Typiquement. Ça, typiquement, dans, alors, dans, t'as un combat comme ça dans Thronebreaker, donc de, dans l'univers The Witcher, qui est un jeu que j'aime beaucoup pour des raisons de role... Un des meilleurs jeux de worldbuilding, je trouve, et de création de choix qui existe. Thronebreaker, t'as un combat, en fait, qui est assez, assez standard, à ceci près que les ennemis ont une sorcière qui, à tous les tours, soigne tout le monde. Ce qui rend le truc... ignoble à faire. Parce que ça devient vraiment un combat d'attrition. Et avoir ton clerc qui fait... alors, quel est le flanc qui est sur point de se faire enfoncer? Alors on a la cavalerie en aile gauche qui est vraiment en train de prendre très très cher à cause des archers montés en face. Tu dis ok, filez-moi un cheval. Et t'as le clerc qui va spammer Mass Healing Word dans le tas à chaque tour. Ce qui fait qu'à force, t'as les cavaliers qui réussissent à contre-attaquer, enfoncer la ligne ennemie, envelopper peut-être les quartiers du généraux et donner un petit avantage au mec qui va aller au mec ou aux deux mecs qui vont aller combattre le général ennemi. Et en fait, c'est vraiment ces objectifs-là bataille... qu'il y a à faire. S'il y a un type de combat où votre nécromancien va briller, c'est ce type de bataille. Typiquement. Parce que si vous avez un petit peu de temps, vous pouvez choisir en fait de relever des ossements. Et là, pour le coup, il n'y a aucun pays qui vous dira ouais, c'est moralement douteux. Parce qu'ils vont se dire, non, en fait, on a besoin de ces 400 putains de zombards, et tu vas mener une horde de 400 zombards hors des portes du mur, tout squelettique, ouais, armés à la pisse. Parce que de toute façon, personne s'en fout s'il va mourir, et tu fais des troupes de choc. Ouais. Et c'est le seul moment où cette classe peut vraiment briller. Donc, mais franchement, si vous voulez commencer, demandez-en une. Les vivants, ils ont un mot à dire aussi. Quand ils voient, quand ils voient le corps de leurs alliés morts se relever, ils se disent, je sais pas si se relèvent. Alors, les soldats, oui, mais les généraux et l'état-major, de manière générale, va trouver ça cool, tu vois. Ah, bien sûr. Le moral des soldats qui pète religieux et tout, qui a une famille. Ah, oui, mais justement, c'est intéressant. C'est genre, le nécromancien, on peut l'envoyer faire ça. Est-ce qu'on lui dit, va te balader sur le champ de bataille et relève tout le monde? Ça risque de péter le moral des gars qui sont encore en train de tenir dans notre camp. Mais ouais, peut-être que si on récupère 200 zombies, ça peut peut-être contrebalancer. Genre, ça, c'est des vrais choix stratégiques que t'as à faire. C'est un calcul, mais. Alors, pour le coup, c'est un calcul, mais je pourrais pas dire avec Tosis, enfin, je laisserais pas dire que c'est craqué, tu vois. Genre, en fait, c'est encore une fois un calcul, y a pas vraiment de bonne. Ah, oui, non, ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est la pire classe du mage. Donc c'est juste ça. C'est la pire classe du mage. Là, c'est dans ce cadre-là, elle devient incroyablement forte en fait. Parce que t'as les ressources pour le faire. Mais comme on disait, ça c'est fort. Mais par exemple, une pluie météore ou si tu touches pas tes alliés, hein, si tu prends genre les archers et tout, ou des illusions seront plus fortes, je trouve, que un truc qui risque de briser le moral de tes troupes. Non, parce que. Ouais, mais le truc, c'est que ça brise. Donner une raison pour laquelle non. Mais par contre, et je vais prendre un autre truc aussi, qui est le cas Merlin dans Kaamelott. Où, comme vous le savez, Merlin dans Kaamelott, c'est un personnage qui est là pour se faire chier dessus par le roi Arthur, qui est un enchanteur qui n'est pas un enchanteur, c'est un druide, mais qui du coup n'a jamais de truc. Et l'un de ses plus grands remèdes, c'est une pommade à la noisette. Et il y a un moment, en fait, dans tout Kaamelott, où Arthur est en train de pisser le sang, et le premier réflexe de tout le monde, c'est de dire « Venez, on va voir Merlin », et Merlin se dit « Mais putain, mais je suis inutile de toute façon ». Il arrive à soigner Arthur, et ils ont cette conversation entre le malade et Merlin, où Merlin le dit, enfin, où Arthur dit à Merlin « Ah, mais en fait, vous comprenez pas, c'est grâce à vous qu'on gagne toutes ces balades, parce que... Alors ouais, on est tous des handicapés, on se fait casser la gueule toute la journée, mais vous pensez que ça les exaspère à quel point, les mecs en face, que vous nous pétez, on se fait couper un bras, on revient avec le bras en train de pendre, vous le réparez, en 5 minutes, on est de retour ». Ils sont exaspérés, les mecs en face, ils abandonnent. Et ça, c'est le pouvoir d'un nécromancien ou d'un clerc sur ce genre de bataille qui ont cet impact très violent de casser le moral parce que les mecs vont faire un travail et ce travail va se voir défaire très vite. Et ça, c'est juste incroyable. Ouais. Mais voilà. Ça, du coup, juste pour terminer sur mon système, en fait, je fais ça et avec un système de points. C'est-à-dire que chaque réussite de l'ennemi va apporter un certain nombre de points au camp ennemi. Chaque réussite des alliés ou chaque réussite des héros va apporter également un certain nombre de points. Par exemple, défendre la porte, ça, je sais pas, ça te fait gagner 10 points parce qu'on considère que les renforts vont arriver un peu plus tôt. Tuer le général ennemi, ça t'en fait gagner 15, etc. Et à la fin du combat, j'ai généralement une table d'issue qui va dépendre du nombre de points que t'as réussi à marquer. C'est-à-dire, si t'as réussi à marquer un total de 30 points positifs, de 20, de 15, de 50, etc. Si t'es en négatif, ton camp se fait éradiquer, les ennemis prennent la ville, t'as perdu la guerre, etc. Alors moi, j'ai un système légèrement différent du tien, mais qui est tout autant un système de cinématique.
où en fait, moi je considère qu'il y a tant d'unités à tel endroit qui sont des unités alliées, tant d'unités ennemies. Mm. Je considère en fait que ça prendrait un certain nombre de tours pour que certains événements se produisent. Mm. On est d'accord. Typiquement, je sais qu'à tour 3, cette porte-là, elle va se faire éclater s'il n'y a personne pour aller aider les mecs qui sont en train de défendre. Et donc en fait, je sais quelles sont les réussites ennemies à l'avance, les potentiels. Mm. Et les héros peuvent interférer sur le cours des événements. Ouais. Et donc récupérer ces points globaux de bataille. C'est ce que je fais aussi. Hein. C'est ce que je fais aussi. Sachant que derrière, bien entendu, une fois que la porte a craqué, j'ai le sous-event qui va être l'événement suivant de si la porte a craqué, etc. Mm. C'est pour ça que ça prend énormément de temps à faire ces batailles-là et que je les vois vraiment comme des cinématiques. Très c'est très long. C'est pour ça que j'en fais peu ou presque pas. Parce que justement, ça prend assez longtemps et ça prend encore plus de temps de préparation. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est tout le temps de l'écriture conditionnelle de si A existe, donc par exemple, A, les ennemis ont pris la porte, B, ils vont monter en haut du. Ils vont monter en haut de la deuxième tour du château, affronter une autre troupe et se faire rouler dessus, ou pas. Et toi, de l'autre côté, bah, si tes alliés ont réussi à tenir la porte. Et ils ont option 1, contre-attaquer, option 2, etc. Et c'est une série, en gros, pour le coup, ça, c'est vraiment un puzzle en amont du MJ. Et tu ne dois pas perdre ton temps à faire des rôles de est-ce que ce tour-ci vont réussir ou pas. C'est une réussite automatique à partir d'un certain nombre de tours. C'est aussi simple que ça. Et l'impact PJ est justement de s'opposer à ces réussites-là d'une manière ou d'une autre. Typiquement, 30 chevaliers de merde assaut une porte avec un bélier. Si la porte craque, la cavalerie arrive. Mais si le mage débarque et met Fireball, bah, comme c'est des pégus qui sont en train de pousser le bélier et que Fireball en a rien à foutre de la couverture parce qu'il a une baguette du mage de guerre, et bien dans ce cas-là, tous ces mecs-là vont brûler et la porte ne pourra tout simplement plus être prise. Et du coup, la cavalerie va être reportée à un autre endroit et chercher son assaut ailleurs. Ouais. Moi, c'est comme ça que je vois les combats vraiment à l'échelle de centaines. Ok. Je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Et pour répondre à ce que dit Dokren, qui dit alors, je fais des combats à 1100 RP. Alors, attends, là, que je remonte un peu. Ça dépend de l'impact des PJ dans la campagne. En fait, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que justement, pour moi, en fait, plus le combat va être intéressant, et pour le coup, une bataille avec genre 300 soldats contre 500 soldats, ça peut être qu'intéressant. Et plus tu dois, en tant que MJ, t'arranger pour que tes PJ aient un gros impact dedans et ils soient en fait très mêlés. Faut que ça reste cohérent. C'est-à-dire que du coup, tu peux pas avoir une bataille à 1000 contre 1000 avec tes PJ qui vont faire 90% du boulot comme un combat standard. Tu peux pas traiter ça comme un combat standard de D&D. Mais en fait, le moment où pour moi ça casse ma suspension de croyance, c'est lorsque tu as Gandalf qui va apparaître au niveau du truc avec le renfort. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pendant tout le combat, ceux qui ont tenu le combat, c'était 4 PJ, basiquement. Si tu regardes vraiment ce qui est affiché à l'écran. En réalité, non, il y a vraiment seul Davé qui va se battre. Et donc du coup c'est une histoire en fonction de tes PJ et de ton groupe, une histoire où tes joueurs peuvent te surprendre en trouvant des solutions que tu n'as pas mais où tu vas te dire ok, pour moi c'est valable, du coup cet endroit est protégé, du coup je vais aller à l'autre issue que j'avais prévu pour ce truc là. Alors de Cranky, c'est apparemment une question de taille de combat selon moi. Alors je suis pas tout à fait d'accord parce que je pense que la taille compte toujours et que du coup un combat avec 5 ennemis, pardon, T'as tes 6 héros, t'inquiète, c'était fait exprès. T'as tes 6 héros contre 5 ennemis ou contre 10 ennemis, c'est des héros, c'est un combat qui est à leur échelle, en fait. Et pour moi, l'échelle, elle compte énormément à ce niveau-là. T'as des formations professionnelles en tant que géographe, mais 10, même 20 ennemis, tes héros, même à 50, des mecs qui ont de la boule de feu, qui ont du Meteor Shower, ils peuvent faire 90% du combat tout seul. Quand t'as des armées qui sont en train de se battre pour un royaume, que c'est vraiment la bataille pour la capitale, et que t'as genre 800 mecs d'un côté, 1500 qui arrivent de l'autre, et 800 alliés des premiers qui sont en train d'arriver derrière les montagnes, qui sont là dans 2 jours, tes PJ, ils ont beau avoir Fireball, ils auront jamais le même impact que s'ils sont en train de se battre à 6 contre 10 ou à 6 contre 20. Ils sont petits, même si c'est des héros.
Par contre, je vais juste finir. Ouais. Je te laisse la parole tout de suite après, Truzu. Vas-y. Tout le travail du MJ, et je suis d'accord avec Recto, moi quand je fais des batailles comme ça, c'est des trucs qui me prennent des heures. Une bataille comme ça, c'est un truc qui prend facilement 10 à 15 heures de prep. Et plusieurs pages. Mais justement, tout le truc, c'est de faire en sorte que tes PJ se sentent petits. C'est un combat avec genre 1000 belligérants, tu dois te sentir petit, tu dois pas être en mode je suis le héros, je vais écraser tout le monde. Mais tu dois sentir utile. Et du coup, c'est toute la difficulté, c'est de, en fait, donner cette impression de grandeur, d'envergure, que tu es petit, que tu es juste un individu dans une mêlée humaine énorme qui est en train de s'entretuer, mais que tu as quand même un impact, puisque tu es un héros, que tes joueurs sont là pour jouer, qu'ils sont là pour sentir puissant, sentir utile, et que du coup, ils doivent sentir cet impact sur le destin du royaume où a lieu la bataille, et que ça peut pas juste être une description de la bataille devant eux. Pour moi, ça dépend quand même, parce que, bon, on a, par exemple, on voit que dès le niveau 5, je crois que tu représentes même plus 1% de la population totale et tout. Et quand tu arrives par exemple au niveau 15-16, c'est à peu près le niveau auquel tes batailles commencent à apparaître, tes grosses batailles, million, tu vois. Quoi. Tu peux être très très puissant, surtout quand tu es un mage ou quand tu es un clair ou autre chose. Moi, je prends l'exemple de tout à l'heure, on l'a évoqué, de Total War Warhammer. Il y a des héros, des mages qui peuvent, avec un sort, péter 200 ouais. personnes. Ça, c'est qu'il y a des mages. Oui, mais c'est bien sûr, ça peut être le cas, ça peut être le cas des sorciers, ça peut être le cas des... Ouais, mais par exemple, il y a Starfire papier ciseau où tu vois le combattant qui va snipe le mage et qui va arrêter tout de suite cette histoire avant qu'elle commence. Le sniper arbalétrier là qui va mettre ses 200 de dégâts en un tour et dire écoute, votre mage en mousse là-bas, certes il aurait pu tuer 300 hommes, maintenant il en tuera 0 et il est mort. Il y a ça, mais je veux dire, il y a pas, même si tu prends l'exemple de Total Warhammer, il y a pas que des mages. Tu peux aussi te dire, ok, par exemple, ce guerrier là, il est légendaire, il peut frapper 6 fois dans un tour, il a vaincu des dragons et tout. Et il arrive, ça va inspirer les alliés, tu peux donner un bonus pour ça. Et il va faire la charge de Théoden dans Seigneur des Anneaux et ça va être hyper classe. Et en soi, pour moi, comme disait Docrane, tu peux avoir une petite différence d'échelle aussi d'importance que tu donnes à tes héros et aussi en fonction de la puissance qu'ils ont pour les mettre beaucoup plus dans le. En cherchant plus à les faire se sentir grands plutôt que petits dans la grande bataille, tu vois. Ça dépend vraiment de l'échelle que tu veux donner. Si jamais on est niveau 5 à 10, bon bah là, ok, tu peux te sentir très petit. Si jamais t'es niveau 15, que tu sois mage ou guerrier, je pense que t'es déjà au-dessus de tout ça, tu vois. Bah, le truc, c'est qu'en fait, pour moi, à ce moment-là, ta bataille, elle a plus de sens. C'est-à-dire qu'en fait, si t'as 6 pélos niveau 20 qui peuvent résoudre le problème, pourquoi t'as une armée, en fait, autant envoyer direct les 6 mages, tu leur dis, vous mettez War Shower sur le camp ennemi. Le problème, il est réglé. En fait, il n'y a pas de bataille. Je suis d'accord avec ça. Non, pas du tout. Par exemple, je reprends encore l'exemple de Total Warhammer. Tu peux gagner pas de bataille parce que t'as un mage. C'est-à-dire que c'est vraiment, t'as vraiment deux trucs. D'ailleurs, je dirais même que c'est presque 70% de les unités d'infanterie, enfin le reste, on va dire, qui jouent le truc. Et toi, t'es juste là pour les soutenir. T'es derrière, tu vois, tu fais ton truc. Et c'est pas résoudre une bataille que de dire que tes joueurs ont de la puissance. Ouais, mais ça, je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, tu te sens forcément petit et tu te sens forcément humble quelque part. Puisque, pour prendre l'exemple de Warhammer, ton mage, aussi puissant qu'il soit, il a besoin de son infanterie pour le protéger, sinon il décède. Mais je dis pas le contraire, pour le coup... Je vais nuancer. Je vais prendre un exemple qu'on connaît tous, qui est l'exemple d'Achille. Achille, dans l'Iliade, il est craqué. Il est absolument craqué. Il a un level qui est tout le talon. Je suis d'accord. Et pour moi, ça c'est le fighter level 15. Et... Achille, à lui tout seul, il prend pas 3. Il n'est pas capable de le prendre parce qu'il a besoin de troupes d'occupation, il a besoin de personnes qui l'aident, etc. Par contre, effectivement, tu le prends en combat, il ne meurt jamais. Jamais il mourra, il tuera tout le monde. Si tu lui donnes 50 jours à Achille, en 50 jours, il va gagner. De la même manière que Cuculain, pour les références celtiques de ceux qui l'ont, est un gars qui a combattu une guerre tout seul, où à la fin, les mecs lui ont dit, en fait, on va faire du 1 contre 1, et on va marcher pendant que le 1 contre 1 dure jusqu'à ce qu'on arrive à prendre le contrôle de la Terre. Et parce qu'en fait, on a vu que si on y allait à 10 000 contre 1, tous les mecs allaient mourir en une fois et qu'on allait avoir des pertes trop grandes. Parce que, mine de rien, l'infanterie a aussi deux choses très importantes. La première chose, c'est que, certes, un fighter niveau 20 a 4 attaques. Il peut monter jusqu'à 17, si je dis pas de conneries. 4, 4, 4, 1, 2, 3, 4, et encore une. C'est ça. Donc 17. Cependant, ça changera pas que derrière, t'as 20 pélos qui feront peut-être moins de dégâts. Qui feront peut-être pas de dégâts pour certains d'entre eux d'ailleurs. Mais qui vont attaquer deux fois. Ça, c'est le chevalier de serpent. Et qui vont faire un petit peu de dégâts, une fraction du truc. Mais que leur nombre, en fait, compense l'identité de l'individu.
Mais seul l'individu est capable de faire les choses que l'individu est, et il va pouvoir d'ailleurs booster le moral des troupes, ce qui va les encourager à encore faire mieux. Et c'est ce rapport-là qui fait que tu peux devenir très grand, c'est que tu deviens justement le Théoden qui mène la charge, tu deviens le Maka qui insulte les déserteurs, et tu casses le combat de cette manière en attribuant en fait les points de morale. Bah c'est ça, tu m'as compris dans ce sens-là, c'est vraiment pas le fait de se dire « Ok, je suis trop puissant dans ce sens », c'est en gros, je mène le truc, je mène les troupes, je suis en tant que fighter un titre légendaire et ça donnera un bonus au final. Je suis d'accord à ça. Je vais dire un truc. C'est qu'en fait, c'est, tu peux gérer ton combat en très très grand nombre comme ça avec 300 mecs. Le truc, c'est que du coup, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence entre le combat avec 300 et le combat avec 3 si tu le gères sur le thème de « bah il y a les héros qui vont devant, qui gèrent les armées, qui arrivent derrière en renfort ». Concrètement, tu vas faire quoi? En fait, t'as tes mecs qui vont être devant, tu vas avoir une énorme ligne d'ennemis qui arrive en face, et t'as ton guerrier qui va spammer, son attaque, t'as ton mage qui va balancer des fireballs sur là où il y a le plus d'ennemis pour les tuer. Et elle s'arrête quand la bataille? Quand t'as tué toute l'armée ennemie, quand t'as tué suffisamment que le MJ te dit ça va, ça fait 2 heures qu'on est en train de buter des gars, ils sont en déroute, vous avez gagné? Non. Bah, alors moi... ça, c'est un autre point sur lequel je voulais aller. Laisse répondre aux yeux. Ouais, en fait, alors déjà, il n'y a pas que des mages, des guerriers. Par exemple, pas tout à l'heure de l'infiltration, pour moi, il y a d'autres classes qui jouent. Par exemple, même dans une campagne, il y a des classes qui peuvent s'infiltrer beaucoup mieux. Un rôdeur, un chasseur de sang, peuvent très bien faire des objectifs derrière. Artificier, tout à fait, qui sont assez discrets et tout. Tu peux très bien split le groupe avec des gens qui vont se dire, moi, je suis dans la bataille. Il y a même des gens qui peuvent être généraux, à la limite. Hein. Niveau 15, tu peux très bien dire, ok, je suis devenu général, je peux organiser les troupes. Moi, j'aimerais bien voir ça, peut-être dans un jeu de rôle aussi. En mode, ok, moi, je vais dire qu'il y a une cavalerie qui va aller ici, l'autre ici. Et en fait, tu vas rester derrière et regarder comment ça se passe du de haut, tu vois. Pour moi, tu peux très bien diviser l'importance des joueurs, même s'ils ont. Enfin, je veux dire, le rôle des joueurs, même s'ils ont de l'importance dans la bataille, tu vois. L'un n'enlève pas l'autre, et je sais plus ce que c'était du coup l'autre question. Mais du coup, à ce moment-là, t'en reviens plus ou moins à un système par objectif. C'est-à-dire avec pas tout le monde qui est au premier rang. Bien sûr. Mais en fait, objectif, mais détruire l'armée adverse directement, de manière par le feu, et, ou inspirer les troupes, est aussi un objectif pour moi. C'est ça que je veux dire. Non, mais ça, je suis totalement d'accord avec toi. Mon point, c'est qu'en fait, tu peux pas résumer ces combats en. On va appeler ça les super combats, les combats à grande échelle. Tu peux pas résumer le combat à grande échelle avec l'objectif je détruis l'armée adverse frontalement. Parce que pour moi, en fait, ça revient juste vraiment à diminuer ce scénario absolument fantastique de deux armées qui s'entrechoquent à un combat lambda PJ contre ennemi. Non, alors pour le coup, je pense que là, effectivement, c'est pas bien compris. Je pense que je suis déjà. Les objectifs, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, c'est juste, ça fait partie de l'objectif. Et par contre, moi, là où j'étais pas d'accord avec toi, c'était dans le fait de se dire, on veut que les joueurs paraissent petits, enfin, se sentent petits dans le truc. Pour moi, justement. Qu'ils ne peuvent pas retourner la bataille à eux-mêmes. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, par ce objectif, ils peuvent sentir qu'ils la retournent, tu vois. C'est-à-dire que ça reste une armée avec plein de. Comme on dit tout à l'heure, le soldat B se bat, tu vois, mais pour moi, le joueur attention, peut retourner. Attention, quand je dis petit, faut pas comprendre, se sente impuissant. Je pense que ça a été l'erreur. C'est-à-dire que quand je dis, il faut que les joueurs se sentent petits, je ne veux surtout pas dire, il faut que les joueurs se sentent impuissants et l'impression de ne pas avoir de moyens d'action sur ce combat. Du coup, je suis d'accord. Au contraire, surtout pas ce que je suis en train de dire. Et justement, le système d'objectif est là pour que les joueurs, tout en étant juste une unité sur le champ de bataille, bien qu'une unité puissante, aient un impact sur l'issue de la bataille, avec ses objectifs. Tout en se sentant un minimum petit, pourquoi? Parce que ça reste un combat à très grande échelle, que ça reste une bataille, que c'est un truc que tu vas faire une fois à l'échelle d'une campagne, souvent, et que du coup, pour moi, tu dois vraiment avoir cette ambiance, cet état d'esprit vraiment épique, où t'es pas le héros, t'es pas le protagoniste, pour une fois. Pour une fois, dans la campagne, t'es pas le protagoniste. Tu influences ces événements, et c'est là que pour moi, le simple fait de te dire j'ai influencé le cours de la bataille de manière notable, c'est ça qui fait que tes joueurs, tout en étant petits, pour se sentir puissant. Oui, c'est ça. Par exemple, du coup, je pense on est d'accord. J'avais donné tout à l'heure l'exemple, mais du coup, on va tomber d'accord. Le mage, par exemple, il pourra avoir un gros impact brut. Par contre, il restera une unité qui peut se faire défourailler par 20 soldats qui arrivent sur lui. Tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'il faut le défendre. En plus, il sera une unité dans le truc qui sera vulnérable. Et voilà, il n'est pas si craqué que ça. Et le mec, il va pas être... c'est pas non plus Parlons... Le mage de bataille, dans le vrai cadre d'une bataille armée, surtout dans une bataille de défense, c'est pour ça que normalement, si tu joues vraiment à D&D, les frontières ne devraient jamais changer. Parce que si t'as un mage peut facilement défendre une surface à lui tout seul, de manière assez débile, notamment grâce à un sort du nom de glyphe de prévention. Mais ouais, il y a des moyens brutaux de casser le jeu qui existent dans D&D. Oui. Du coup, voilà.
Mais par contre, c'est vrai que si tu prends la théorie, justement, le mage en lui-même, le fait que ton mage survive à la bataille et puisse vider ses spell slots, parce qu'après, il n'a plus d'usage, de toute façon, vous pouvez recycler votre mage. Mais le fait que ton mage ou ton clerc puisse vider l'intégralité de leur spell slot sans tomber au sol et qu'ils puissent justement avoir cet impact massif qui est celui des sorts de zone, c'est un objectif en soi, faire survivre un mage. Yep. Mais du coup, j'ai une question par exemple pour Eladriel. Imagine un jour on se bat contre Shivrain avec une troupe de 200 soldats, c'est pas inconcevable. Ouais. Dans ce cas-là, toi t'estimes que c'est quoi le plus important? C'est Shivrain qui peut balancer des boules de feu entières sur les ennemis et les tuer par 30 ou 40? Ou alors les soldats? Shivrain. Et bah, pour moi, Shivrain ça correspond à peu près à un mage niveau, je sais pas, niveau 13-14, un truc comme ça. Ouais. Et ben, un mage. C'est très bien avoir un mage niveau 13-14, peut-être plus, hein, dans les alliés. Ouais. Et en fait, ce sera la même chose. Et, et voilà. Parce que ça nique aussi ta chaîne de commandement. Ça a un impact sur plusieurs niveaux. En fait, ça touche pas seulement la puissance ennemie, ça touche le moral, ça touche la chaîne de commandement, etc. Et de même, tu peux avoir un objectif dans ces combats-là qui est de protéger le mage allié ou éventuellement les mages alliés. Typiquement, un truc genre niveau encore supérieur, c'est-à-dire que t'as ton mage de niveau 15 à toi à la fin de campagne qui est pote avec un autre archimage de niveau 15 qui est dans le camp allié. Et les deux se disent, on va aller défoncer l'arrière ligne ennemie. Au cas où on se fait rush par une troupe de choc, typiquement cavalier, est-ce qu'il y a le guerrier du groupe qui peut venir nous défendre? Et dans ce cas-là, t'as à la fois le guerrier qui est en train de défendre un mage allié, qui a son objectif à lui, ton mage qui lui est en train de tuer des ennemis, etc. Mais t'as toujours ce système d'objectifs en fait derrière. Pour les super batailles, donc les batailles à très grande échelle. Il y a un autre truc qui ça est très important qu'on n'a pas encore mentionné. Pensez à Soldat B, donnez des entités Soldat B à vos joueurs. Faites-les chialer. Donnez-leur Jérémy, 25 ans, humain, guerrier pour sa patrie. Il a jamais manié avant, tout ce qu'il a manié avant c'est une fourche. Mais il comprend qu'il est la dernière ligne de défense de l'humanité. Qui va voir timidement ton Gouledine, rôdeur, level 15, qui a vu 10 guerres. Qui en est à son troisième commandement, qui a toute cette vie derrière lui, et il va lui dire écoutez, c'est ma première bataille, est-ce que vous auriez pas des conseils? Créez ces PNJ à tous les échelons, vraiment tous les échelons. Je veux que les mecs puissent voir un commandant allié tomber, je veux qu'ils puissent voir un capitaine allié tomber, je veux qu'ils veulent se dire c'est quoi cette bataille, je vais la passer avec Jérémy, tu vas appartenir à mon unité et tu vas te battre à mes côtés et je vais te montrer comment on survit. Pensez à tous ces facteurs de créer de l'émotion, parce que ça c'est l'autre problème des très grandes batailles, c'est qu'elles ont vraiment elles sont vraiment amorphes, c'est vraiment des gros blobs dans lesquels le combat, ton mage vient de tuer 25 personnes. Pensez à ce que certains de ces mecs-là aient des histoires, que lorsqu'ils aillent auprès des cadavres ennemis, ils trouvent pas juste la cuirasse et le truc à 20 PO qu'ils vont revendre aux marchands de cadavres le soir même. Pensez à ce qu'ils vendent. Le petit médaillon de la Vierge Marie qu'on lui a donné à sa naissance, qui est actuellement taché d'une brûlure, et vous remarquez aussi qu'il y a des bouts de peau parce qu'il la tenait dans sa main parce qu'il était en train de paniquer au milieu du combat. Rendez ça personnel, toujours. C'est vrai, et après ça, on en parlera peut-être. D'ailleurs, je vais proposer un sujet de world building, je pense, sur les capitales, les grandes villes, pour la chaîne. Humaniser, en fait, rendre vivant les très grandes villes, les très grandes batailles, quand t'as des masses colossales de PNJ anonymes à gérer, je trouve ça hyper dur, mais quand t'arrives à le faire, je trouve que c'est hyper satisfaisant pour tout le monde à la table. Ouais, ça rentre pour moi un peu dans le même critère de ce que je disais, de rendre la bataille épique, c'est aussi la rendre tragique, la rendre joyeuse, la rendre tout ce que tu veux, mais c'est dans la description, c'est ça, ajouter de l'intérêt au truc, quoi, de l'enjeu aussi. Et voilà. Yep. Et puis c'est vrai que du coup, ouais, Jérémy la recrue qui vient demander au guerrier au début du combat ah, mais c'est vous, Artichox, le guerrier légendaire, est-ce que vous pouvez me donner des conseils pour tuer mes ennemis? Parce que je sais pas trop. J'imagine le type live, ah, vous faites plus grand en vrai, enfin vous faites plus petit en vrai. vous faites plus petit sur les gravures, tu sais. Ça peut être une discussion vachement drôle. Voilà. Et moi je me rappelle d'une anecdote de bataille où je jouais à l'époque un paladin, parce que toujours dans mes top classes. Ouais. Et ce paladin avait marqué à la chaux,
sur l'armure du soldat en question, le symbole de son dieu, comme signe de bénédiction et de protection. Après une longue discussion, parce que justement, pour monter le moral des troupes, mon paladin était parti à la taverne, essayer de discuter avec ces mecs-là, etc. Mmh. Et il y avait ce petit mec anxieux. Et du coup, j'avais pris le temps de faire cette bénédiction. Et du coup, à la fin de la bataille qu'on avait remportée, à un moment, le MJ m'arrête et me dit « Tu continues d'avancer à travers les cadavres de tes corps alliés qui ont bravement défendu leur patrie, etc. C'est toujours le ton de la gloire. Et là, tu t'arrêtes vite fait. Et tu vois une cuirasse sur laquelle marqué à la chaux et l'insigne de ton dieu. Et je t'avoue que ça m'a brisé, quoi. Parce que c'était pas le bon... J'ai vraiment eu l'impression, moi, en tant que joueur, de me dire, ce que j'ai fait était bien, j'ai sauvé la bataille, mais j'étais pas sur le bon point de défense. Parce que c'était ce petit gamin timide qui, pour la première fois, allait à la bataille. Et surtout, quand je crois que j'étais un truc, c'était pas l'ouf de... C'était un truc de 3.5, donc pas l'ouf de protection ou un truc du genre. C'était un moment pour moi en tant que joueur et en tant que personnage, parce qu'effectivement, on avait gagné, mais d'un autre côté, mon paladin avait perdu. Parce qu'il n'avait pas défendu celui qu'il avait banni. Et c'est des petits trucs cons, hein, mais ça marque, et ça fonctionne. Mais bah en fait, ça, de manière générale, je le résumerai de la manière suivante, c'est-à-dire que ce que tu décris, je trouve vachement intéressant, j'y pensais pas, mais je m'en servirais définitivement si on fait du combat épique justement sur la campagne. C'est qu'en fait, ça te permet de cette humanisation des différents anonymes qui participent au combat dans le camp ennemi comme dans le camp allié. Dans le camp ennemi, ça peut être intéressant aussi, hein. Genre décrire la peur, les larmes de terreur qui commencent que tu vois couler à travers le trou du home sur le piquier ennemi qui arrive en face de ton guerrier level 16, tu sais, qui va juste le one shot, et il sait qu'il va se faire one shot, ce mec il les connaît, il y a des affiches avec sa tête partout dans sa ville à lui, qui dit ce gars c'est un putain de taré, si vous le trouvez tuez-le. C'est ça, en fait ça transforme vraiment, comment dire, en fait l'enjeu scénaristique de la bataille en un enjeu personnel pour tes joueurs, et qui finalement transforme ta quête en vraiment un souvenir que tes joueurs vont garder et que toi t'as gardé par exemple encore des années plus tard. Mais ça, je l'ai eu, ça, dans ce même combat, je l'ai eu et j'avais moins de culpabilité puisque je protégeais mon pays. Mais genre, j'ai eu aussi le petit lancier de merde qui s'est interposé. C'était une action de groupe qu'avait fait mon MJ. Où en gros, des mecs pouvaient se sacrifier pour leur commandant. Et où j'ai eu du coup le petit piquet, genre vraiment le piquet, donc armure en cuir, petit casque de fer, c'est plutôt une casserole retournée. La lance qui était une fourche sur laquelle on a changé la tête, quoi. Qui s'interpose. Et qui se pisse dessus, et c'est visible au moment où je la base, gamin. Il a le froc humide. Alors que tu lui tranches la tête, sa tête absolument terrifiée de ta présence, et tu dis attends, c'est nous les méchants. Et. C'est ça, ah oui, the baddies. Et c'est vraiment cette humanisation qui est importante dans ce genre de bataille, parce que ça rend toujours, comme toujours, le truc personnel. Yep. Je sais pas si Cobra, Trusuga, vous avez des choses à ajouter là-dessus, cette discussion enflammée. Bah pour moi, je pense que j'ai déjà été assez enflammé tout à l'heure, j'ai fait mon point, c'est tout. En tout cas, je suis entièrement d'accord. En fait. Ouais. Ouais, évidemment, on était d'accord. J'ai pas grand chose à dire. J'écoute avec attention et. J'ai l'impression d'être. Bah, on attend que t'en fasses sur ta campagne et tu nous diras ton ressenti. Oh, le truc, c'est que. Ouais, si. Il y aurait moyen. Ouais. Autre recommandation liée à ça, les grandes batailles n'arrivent pas en un jour, c'est pas quelque chose de soudain. Ouais. Donc trouver un moyen en fait que le commandement relaie l'information, que les trucs, et qu'il y ait vraiment en fait ce campement de guerre, genre imaginez le campement romain avec les 50 000 tentes qui s'éloignent sur l'horizon, et que du coup vos joueurs puissent prendre le temps d'interagir avec leur environnement proche. Idéalement, le camp allié, il y a forcément des alliés qui existent. Donc, prenez le temps avec ces PNJ-là de discuter, d'échanger. Et prenez le temps, vous, MJ, de noter quels sont les PNJ qui les ont marqués, qui leur plaisent, avec qui vont avoir ces dernières conversations. Et qui vont peut-être reposer sur le champ de bataille. Les sélectionner pour les remettre sur le champ de bataille après. C'est ça, vraiment. Faites-en des individus. Et n'hésitez pas à leur mettre, même au sein d'une unité sur la map qui voit au loin, n'hésitez pas à faire que tous les soldats soient identiques, mais qu'il y ait cette unité de token qui existe. Pour vous dire, par là, vous savez qu'il y a cet allié-là qui est là.
c'est votre choix de le défendre ou pas. Et t'as un autre truc, et ça, elle le sait. Askar, par exemple, j'ai volontairement choisi la voie du drama et d'avoir potentiellement une histoire avec un ennemi. Mais justement, les grands combats n'arrivent pas du jour au lendemain, et je vais dire même, c'est encore mieux de les faire durer dans le temps, c'est-à-dire de poser ce calme avant la tempête, cette espèce de silence lourd qui précède vraiment toutes les grandes batailles, tous les grands massacres, et de laisser les PJ déjà se préparer avec leurs alliés. Et non seulement de leur laisser le temps de se préparer, mais même de leur laisser assez de temps pour finir leur préparation et prendre cette petite soirée où ils vont voir leurs derniers potes à la taverne, où ils vont inspecter une dernière fois les défenses sur le rempart à la nuit tombée, sous l'éclat de la lune, pour regarder la plaine où le lendemain, d'ici 24 heures, il y aura probablement des centaines de milliers de victimes, et se dire, ouais, ça y est, on y est, là c'est maintenant où ça passe, où ça casse, c'est maintenant où tout ce qu'on a construit depuis le début de la campagne va tenir, ou va se faire renverser par une puissance ennemie. Et ça, c'est cette envergure, c'est quelque chose qui donne vraiment, je trouve, de la profondeur à une campagne, et c'est pas juste du jour au lendemain, paf, subitement, il y a la porte de la ville qui tombe, il y a une vingtaine d'orques de guerre à l'intérieur de la grande rue, 50 ennemis, et le ciel est subitement noir de flèches. Je trouve qu'on manque, quand on fait ça, un pan hyper intéressant en matière de world building et de création de souvenirs pour les joueurs. C'est ça, sachant qu'il y a toute cette atmosphère de ville qui peut changer drastiquement, genre les gars qui se chient dessus à l'intérieur, le marchand qui est en train d'offrir des coups à tous les mecs qui sont engagés dans l'armée à l'arrache, la marchande de fleurs en fait qui commence déjà à préparer assez sombrement parce qu'elle a déjà perdu son mari à la guerre et qui commence déjà à préparer les couronnes de fleurs pour les défunts. Ça commence à préparer ses chrysanthèmes, les rues jonchées de feuilles fanées qu'on a lancées aux soldats qui paradaient à midi et qui là maintenant sont tous en train de faire dans leur froc dans les baraquements. Ouais. On avait parlé de contraste de rythme à un moment. En fait, c'est exactement ça. La bataille, ce sera un truc où ça va passer très très vite. Et il y aura des morts, des milliers de morts en quelques heures. Ça va être terrible. Ça va durer peut-être une nuit, un truc comme ça. Pour moi, c'est le moment justement de réinventer la narration, de décrire les odeurs, le vent, le bruit, les mines grises et tout, la pluie. Le contraste. C'est du contraste. Et comme ça, le moment de la bataille, ça va péter. Ça sera vraiment, c'est comme un orage, tu vois. Et ça sera que mieux, en fait. Ouais. Et pour moi, c'est même plus important, en fait, que l'après-bataille. Ouais. Bah, l'après-bataille, c'est le moment où tu te relâches, justement. Et du coup, qui dit relâchement, dit aussi truc moins intéressant, souvent. C'est ça. Bah, typiquement, prenez le gouffre de Helm, que ce soit dans les films ou dans le livre. Ils ont tous peur. Et quand ils voient les orques arriver dans la nuit, genre, ils voient pas au début. Et ils sont en mode, ça va commencer, ça commence pas. Comment ça se passe c'est captivant, plus que la bataille, qui passe très vite en fait dans les pages, parce que c'est tendu du cul. Quoi. C'est un très bon exemple. La bataille des 5 armées dans le Hobbit, qui est passée. Attends, super bien. Qui fait sa semaine. Justement, en fait, la bataille du gouffre de Helm, pour moi, c'est un exemple de gestion de bataille à grande échelle que donne Peter Jackson, que je trouve infiniment mieux que la bataille de la Porte Noire, parce que la bataille de la Porte Noire, il n'y a pas de scène quasiment avant. C'est-à-dire que ils sont devant, il y a Aragorn qui fait son speech, et les portes s'ouvrent, la bataille commence. Et je trouve ça infiniment moins intéressant que du coup la bataille du gouffre de Helm, où là Peter Jackson a vraiment pris ce temps, qui est très long dans le film. L'avant de la bataille, c'est quasiment aussi long que la bataille elle-même, où ils sont en train de faire le tour des... il y a Aragorn qui va voir la recrue, il y a Théoden, lui, qui est en train de revoir ses derniers plans de bataille. Il y a ceux qui ont peur, ceux qui sont pressés. Et t'as vraiment ce zoom sur la population qui donne vraiment toute sa saveur, en fait, à la scène de bataille qui a lieu après, quand les orques arrivent, la muraille explose, et que là, subitement, t'as le coup de tonnerre et tout commence. Mais moi, la bataille la plus symbolique pour moi de ça, c'est la bataille des 5 armées dans le Hobbit, le livre, parce que le Peter Jackson de merde, la bataille du Hobbit, t'as toute cette tension entre toutes ces factions qui travaillaient sur une vingtaine de pages sur un bouquin qui doit faire maximum 200, quoi. Ouais. La bataille se passe comment? Bah, elle se passe pas, en fait. T'as la charge, t'as toute cette tension, et puis t'as Bilbo qui se fait assommer. Qui se fait assommer. Enfin. Fade to black. Et on lui raconte plus ou moins la résolution de cette bataille. On lui raconte pas la bataille. Parce qu'en fait, on s'en fout de comment la bataille s'est déroulée. Ce qui est important, c'est comment elle s'est terminée. Et t'as aucune description là-dedans. C'est juste, hop, c'est coupé. Parce que ce qui est important avant, c'est les enjeux. Ouais. Voilà. Et après, non mais c'est intéressant parce que c'est vrai que du coup, là, le cas de Bilbo, alors moi qui me frustre énormément,
mais qui se comprend. Hein. C'est vraiment le cas de la grande bataille qui finalement va se dérouler totalement en ellipse. Pourquoi ? Parce que le focus, en fait, il est sur la construction personnelle de Bilbo et des nains. Et sur cette construction émotionnelle, sur ce voyage initiatique. Et pas du tout sur la question géopolitique et militaire qui est derrière. Ce qui, en D&D, il est possible de faire, mais ce que je trouve souvent dommage, parce que c'est vrai que du coup, autant bah, la bataille des 5 armées, tu la vois venir, elle arrive et elle est passée. C'est pas... Voilà. Bilbo, il était assommé comme une merde. C'est pas ce qui s'est produit. C'est Bilbo, c'est normal. Mais c'est Bilbo, c'est ça. C'est que ça avait parti son personnage. Mais inversement, en D&D, justement, tu joues pas Bilbo le Hobbit, tu joues des héros, et c'est vrai que du coup, c'est dommage, je pense, de faire passer cette bataille à tes joueurs. Ouais. Sur le principe, c'est du show don't tell, en fait. Comme les bons vieux cartons de Star Wars que t'as au début avec le long texte. Faites-la vivre à 100%. Montrez vraiment le silence avant la bataille. Montrez l'orage, la fureur de la bataille, les morts, les moments épiques, les moments tristes, un flanc qui se fait enfoncer au moment où on réussit enfin à repousser l'attaque contre la porte de la cité et protéger les citoyens. Et c'est ça qui va vraiment, 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 vraiment. Et pensez à des outils environnementaux qui sont extraordinaires. Par exemple, moi j'adore le sort de contrôle du climat. Bah oui. Où avec la bataille, vous faites apparaître un givre glacial d'hiver lancé par l'ennemi, qui en plus est censé fatiguer tout le monde parce que tout le monde est dans la neige et tout le monde sait que ça va péter bientôt, que l'ennemi est vraiment pas loin. Ça donne cette proximité parce que tu reconnais le sort, tu sais que le sort il a une portée de 8 km. Tu sais que les mecs ont balancé un mage à 8 km de ta porte, qui est là juste pour vous fatiguer avant cet assaut, qui est juste pour vous travailler au corps. Ça, Maka, par exemple, il serait capable de le faire. c'est pareil. Il est possible aussi que vous ayez des harceleurs pendant les quelques jours de tempête. C'est-à-dire que vous allez avoir les 4 assassins qui ont essayé de s'infiltrer dans la ville pour tuer le roi discrètement et foutre le maximum de dawa. Vous pouvez avoir un Tianor qui soudainement invoque des animaux au milieu des rues et personne n'est au courant d'où est la source. Et donc ce mec-là, pendant des jours et des jours et des jours, va faire apparaître des meutes de loups au milieu des rues qui vont abattre des gens tout azimuts sans vraiment de sens, juste pour fatiguer les troupes, moralement et physiquement. Parce que tu vas avoir la patrouille qui va arriver, le temps qu'ils arrivent, c'est déjà trop tard. Les drames ont déjà commencé à arriver. Faites vraiment vivre même ce calme, comme un moment d'horreur, parce que la guerre, c'est horrible. Attention, j'ouvre des portes déjà ouvertes. Non, mais c'est vrai. Et faites vraiment, il y a plein de rôles. Il y a les sapeurs aussi qui existent. Ou par exemple, le puits de la ville vient d'être empoisonné. Ça doit être un drame. Il y a quelqu'un qui a mis le feu aux granges de ressources. Faites vraiment vivre tous ces événements-là en microcosme, pour créer vraiment cette aura de peur permanente qui commence à être presque suintante. Tu la vois sur le visage des personnes et des murs. Ça, vous pouvez choisir plusieurs approches pour la guerre, en fait. Hein. Il y a plusieurs... Bonsoir, Coco. Tu peux faire une guerre épique. Bonsoir, Coco. Tu peux aussi faire une guerre qui est vraiment juste horrible, en fait. Mm. Et d'ailleurs, moi, je suis en train de lire actuellement Voyage au bout de la nuit de Céline. Et en fait, ouais. J'ai réussi à te conseiller. Ouais, c'est ça. La grosse différence avec la guerre, on va dire, les guerres d'avant, où tu pouvais avoir, c'était un petit peu le temps des héros, tu pouvais avoir un impact, tu pouvais te battre. Là, c'est des types de faits de chair face à des mitraillettes. Ouais. Et en fait, ils peuvent littéralement rien faire. Et c'est un truc, c'est même pas épique. C'est juste sale de bout en bout. Et en fait, tu ne peux sortir de ça que dégoûté et complètement, tu ne crois plus en la vie, en fait. Et tous les soldats, ça marche comme ça. Alors, tu peux choisir cette approche-là, parce que dans D&D, tu as aussi des mages, c'est correspond un peu de l'artillerie, tu vois. Un pégu qui rentre là-dedans, qui a 20 ans dans une bataille rangée, c'est un moucheron, si vous voulez. Donc, en fait, vous pouvez très bien prendre cette espèce d'ambiance qui vous prend la gorge, qui n'est même pas épique, qui est juste crade, et ça peut être une sorte de narration qui peut, voilà, que vous pouvez vouloir passer. Ou alors faire un truc à la Théoden, une grosse charge à la con, et c'est très sympa aussi. Hein. C'est épique, et tout le monde est content aussi. C'est un choix. Ah, mais alors, même dans l'épique, en soi, tu dois avoir quand même cette moi, je pars vraiment dans l'horreur de la guerre, parce que ça me parle plus, en fait, comme ambiance. Parce que je trouve que ça donne plus d'intellect aux deux factions, en fait. Parce que tu vas avoir, par exemple, imaginons ton chasseur de sang qui est posté à un endroit de la ville où il sait qu'il peut y avoir une entrée, genre devant des égouts, et qui va devoir, pendant la nuit, avoir ce combat inhumain contre des créatures, et comme elle est postée là, elle va protéger la ville activement. Et c'est vraiment ce rapport où les deux factions doivent être intelligentes,
Et c'est ce petit jeu de coupe couteau et de coupe jarret avant qui me parle, parce que ça aide d'autant plus à mettre d'attention, parce que c'est pas juste demain une grande faille apocalyptique épique va s'ouvrir et le monde va mourir. Ça doit vraiment être un enjeu d'individu à individu, parce que la guerre, enfin les émotions, c'est quelque chose de personnel et il faut que tu puisses aller dans la personne. À l'inverse, si tu mets une bataille épique, du coup, fais des trucs absolument épiques. Fais le barrage de feu, de boules de feu lancées à distance qui commence à s'éclater sur ton énorme barrière, qui est juste là en tant que harcèlement, mais aussi pour montrer la puissance de feu des deux côtés. Et où les gens, le soir, devant temps, voient une petite écaille de la barrière qui tombe. Et c'est effectivement, alors que en dessous, les miliciens, prêts à la guerre, et justement dans cette illustration épique, eux commencent à sortir le champagne comme s'ils voyaient des feux d'artifice. En se disant, demain, on va leur rendre toutes les boules de feu qui sont tombées. Ouais, ça c'est vraiment l'approche de ça épique. Et d'ailleurs, après, pour moi, si tu veux rendre le truc plus épique, il faut quand même diminuer le côté personnel. Vraiment, parce que ce qui rend, par exemple, des batailles de Warhammer, Total War Warhammer épique et sympa à jouer, c'est que tu penses pas au type qui meurt, en fait. C'est juste des chiffres à la fin de la bataille. Bah alors, si justement tu penses au type qui meurt, surtout quand c'est le chaos, parce que le chaos, on sait tous que c'est le mal incarné. Ah, mais tu penses à l'argent que tu as. Merci beaucoup, Zellor, encore. Mais je sais pas ce que vous avez ce soir. Par exemple, le chaos, c'est tout le temps le mal. Et en fait, justement, c'est pour ça que tu fais des méchants stéréotypés dans les épiques. Ah oui. C'est parce qu'en fait, c'est parfaitement. Bah, le Seigneur des Anneaux, basiquement, tu tues de l'orque débile, un mage corrompu et Sauron, le mal incarné. Et du coup, en fait, comme ils sont ultra stéréotypés, en fait, c'est vachement catharsisant de les buter. Tu fais le bien, t'es justifié dans ton crime, parce que le meurtre, ça reste un crime. Donc t'as pas besoin d'y réfléchir pendant 2 ans. T'as fait le bien. Je vois. C'est ce qui permet, en fait, l'épique gratuite où tu te dis, j'ai tué 10 000 personnes, c'est des orques. Bah ouais, bah c'est des orques. Ça compte pas comme de l'humain. Merci pour l'abonnement, Coco. C'est un plaisir. Merci pour l'abonnement, Coco Béa également. Ah, ce soir, c'était une folie. Ah ouais. Ouais. C'était long, mais on a beaucoup parlé. Hein. Ouais, j'avoue que minuit 16, en général, on tient pas aussi tard pour être dans une discussion. Mais après, content de voir que la question des combats épiques, elle a suscité autant d'engouement, en vrai. Ouais, c'était. Bah, c'est vrai que c'est une question qui est compliquée. Il y a beaucoup d'aspects à cette question, puisque c'est, mécaniquement, c'est dur à gérer. Il y a beaucoup à gagner et ou à perdre sur l'aspect world building, description et RP. Et comment. Et ouais, du coup, c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui est très intéressant à faire popper dans une campagne. Pour peu qu'on ait la capacité de le faire, quoi. Ah, mais c'est ça. C'est un kiff. Mais après, par contre, rappelez-vous vraiment, hein, les batailles avec modération. Parce que c'est sympa, l'ambiance de tempête et les 200 morts, mais si ça arrive tous les jeudis... C'est ça. Et en plus, après, ça peut être intéressant, ça peut rajouter au truc, mais s'il y a un PJ qui meurt dans le tas... Ça fait vraiment un épisode que vous allez vraiment vous en souvenir de bout en bout, quoi. Parce que si jamais ça commence ambiance tempête, enfin ambiance du calme, ensuite tempête, ensuite mort de PJ, et c'est en mode, il n'y a même pas de victoire, tu vois. T'as peut-être gagné, mais en gros, c'est... Ah là, non, c'est mais ça complètement. C'est la grosse dépression. Alors, moi j'aime beaucoup ça dans les jeux de rôle, parce que c'est des vraies émotions, genre que tu ressens, alors que c'est une simulation concrètement. Mais comment. Mais ouais, faites pas ça tout le temps. Si dans une campagne, ça suffit... Et c'est rappelez-vous, vrai, justement, que ces batailles, c'est le moment où les PJ sont souvent le plus divisés, parce que c'est rare qu'en fait ils veulent vraiment encore agir comme une unité, parce que par exemple ton clerc va rejoindre les groupes de healers, etc. Et donc du coup, les gens autour de vous pendant ces batailles n'auront pas forcément votre intérêt en premier. C'est-à-dire que là où dans un groupe, enfin dans une partie, donc dans un groupe de PJ, tu vas avoir tout le monde qui va essayer de s'entraider, généralement, pour que tout le monde survive. Dans une bataille, vous êtes justement un pion dans 10 000 personnes. Et le fait de vous soulever va pas être forcément le premier réflexe des mecs autour de vous. Ils vont peut-être juste continuer la charge armée sur cet élan. Un peu à l'attaque des titans. Ou lors de la dernière charge de Eldwyn, où tout le monde est en train d'hurler, ils savent tous qu'ils vont à la mort. Eldwyn meurt, les gars continuent d'hurler, de charger, et ne s'arrêtent pas. J'en ai rien à foutre, ça fait plus d'un an, et de toute façon c'est l'attaque des titans, donc on en a rien à foutre. Voilà. Il est en train de partir. Moi, en couille, arrêtez-le. J'ai brûlé mes tomes. Donc voilà.
Mais du coup, donc il y a ce genre de moment-là où du coup, le fait qu'un PJ meure au sein d'une vraie grande bataille, c'est très probable. Il y aura pas forcément un healer à porter, il y aura pas forcément une unité de healer qui aura l'accès, tout simplement, parce qu'ils peuvent être repoussés par les ennemis. C'est typiquement là où les mages ont le droit d'utiliser counterspell sur des sorts contre-sorts sur des sorts tels que mots de guérison de masse ou soins. C'est typiquement ce genre d'ambiance où tous les coups sont permis, que ce soit du côté MJ ou du côté joueur. Je suis d'accord avec ça. Et je pense que ça sera peut-être le mot de la fin, sauf si vous avez quelque chose à ajouter. Non. Mais écoute, je pense que dans tous les cas, pour résumer, que ce soit les combats à 10, les combats à 50, les combats à 100, à 1000, quoi qu'il arrive, l'important c'est de réussir à rendre ces moments-là mémorables pour les joueurs. Ce qui passe par deux choses, c'est-à-dire personnaliser le moment, rendre le combat tactile en quelque sorte, humain, vivant, et pas juste des stat blocks contre des stat blocks. Et aussi donner toujours, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'échelle, à ses joueurs, en fait, ce sentiment de pouvoir influencer le monde. Sentiment de pouvoir influencer le monde, influencer le cours de l'histoire. Et après, ça dépend de l'échelle, bien sûr. C'est que souvent, cette influence, ça sera moins présente sur un combat à 6 contre 6. Mais c'est pas pour autant qu'un combat, un combat d'armée, vraiment avec des centaines, voire des milliers d'ennemis, doit pas laisser vos joueurs, vos héros, votre tablé à la fin de la bataille en train de se dire bah, on a servi à rien, mais au contraire doit justement renforcer ce côté puissant, mais tout ce côté petit aussi, puisque c'est aussi pour ça qu'on fait du JDR dans ces cas-là, je pense, c'est aussi pour remettre les choses en contexte. Bien. Et bah, il se fait déjà fort tard, je pense que je vais vous libérer tous les trois, je vous remercie d'avoir été avec moi ce soir. Je remercie tous les gens dans le chat qui nous ont suivis, nombreux, malgré la réouverture des bars. Déjà, c'est fort sympathique à vous. On remercie tous les abonnements qui vous ont été donnés. Je crois que j'en ai compté 32. Hein ? Ah oui ? Ah ouais ? Ouais, alors attends, moi je sais que dans les abonnements, j'ai 10 de Zubdak, 7 de Bafo, 6 d'Adzeller, parce que ça c'est le top 3, donc c'était bien débile ce soir. Mais alors du coup, Bretagne ou Normandie ? Qui a gagné ? Bretagne, je pense, mais... Voilà. Ah, je sais pas, attends, Baphobie, t'es à Zeller, on est à 13, hein. Zubdak, ouais, il est à 10. Je crois qu'il y a Truzu qu'on a mis un aussi. Bah, 11 à 13, mon gars, 13 gagne. Ah, Normandie gagne. Normandie, mon gars, je suis désolé. Bah, Normandie, bien joué, Normandie. Mais pour la prochaine fois, ça sera la Bretagne. Ouais, mais la Bretagne, il y a un plus 3 naturel. C'est ça. Mais donc, voilà, donc, en tout cas, c'était fort en émotion pour moi ce soir, pour tous ces donations. Pour tout, j'en crois. C'est après, pour ces échanges, moi, j'ai été très enrichi ce soir, donc je suis très content. Je vous souhaite à tous des gros bisous. Je vais sûrement partir sur le général après, dans le Discord, donc si vous voulez nous rejoindre. Passez une excellente soirée, on se voit vendredi soir 20h30 pour Strahd, samedi 14h30 pour Valkynia, DRP au poil, des combats au poil justement. Valkynia, vous avez tantôt l'occasion de voir ces combats en très grand nombre, si jamais vous voulez voir à quoi ça ressemble. Et sinon, bah, d'ici là, on vous souhaite une excellente fin de semaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, et on vous dit à la prochaine. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, des bisous baveux. Plein de bisous.